Si, bonjour. Salut. Un écran. On ne joue pas encore. Mais c'est ça. On met des petits meeples qui disent bonjour. Je vais mettre ludique du jour. Pour démarrer. Hier, c'était Black Stories édition fantastique. C'est pas si facile que ça à trouver. Hein. Non, c'est pas clairement évident. Alors, est-ce qu'on peut tricher avec Tainted Grail? Non, tu vas pas le faire tous les jours. Bah, ça marche bien ici. Hein. Septima, moi, j'aurais mis aujourd'hui pour changer. Oh. Un indice. Coup d'épée dans l'eau. C'est un jeu de cartes. Ah. C'est un jeu de cartes qu'il nous faut trouver. Quels sont les tags que nous n'avons pas? Thunderstone, c'est un jeu de cartes, non? Thunderstone. Mais il n'y a pas médiéval, fantastique, tout ça déjà. Il n'y a pas mythologie, médiéval, exploration, affrontement. Pas coopérative, c'est pas du deck building, donc ça sert à rien de mettre Thunderstone. Jeu de cartes de hasard, peut-être faudrait tenter. Tenter. Jeu de cartes de hasard. Qu'est-ce que. Misty Gris. Misty, on va mettre Misty Gris. On met Mind Up, tu vois, ou. Line It, quoi. Un jeu de cartes. Oh, damn. Attends, mais Mind Up, il y avait quoi comme tag? Il est mal parti, hein. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Jeu de cartes, chiffres, choix simultané, gestion de main. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme jeu de cartes? Il n'y a pas d'affrontement, hein. Attention. Il n'y a pas d'affrontement, donc ça peut pas être le Dracula qu'on a joué hier. Non. Un jeu de cartes. Panique. Pathfinder the Card Game. Essayez, hein. Ah, bah alors, The Card Game, comment ça se dit? Je cherche. Autrement. Pathfinder Card. Ça te parle? Eh non, celui qu'on a là. En dessous. Adventure Cards Game. The cards. Non, mais c'est surtout Adventure. Oh. Pathfinder. Ça lui plaît pas. Oh, Pathfinder Adventures. On retrouve une idée. Mais pas ça. Terra? Enfin, est-ce que c'est un jeu de cartes? Attends, on va vérifier le tag. Je pense que c'est un jeu de plateau, mais. Il y a les deux. Plateau. Ouais, ouais. Par contre, le Arrest, mais le Arrest, c'est un jeu de cartes. Ouais. Arrest Expédition, ça s'appelle. Ouais. Terraforming Mars. Arrest. Expédition. Non, ça peut être juste Arès Expédition. Mais c'est un jeu de cartes. Climat, inspection, espace, Mars, colonisation. Expédition Arès. Deux tags. Pouvoir. Peut-être avec des pouvoirs. It's a wonderful world. Mais c'est pas de l'affrontement, on va dire. C'est pas du deck building, surtout. En remarque, It's a wonderful world, c'est pas du deck building. C'est enjoy. It's a wonderful world. Mais pas pouvoir, là, il n'y a pas pouvoir. Il y a zéro tag. À part jeu de cartes. Jeu de cartes avec des pouvoirs. Seasons, du coup. C'est un deck building, Seasons. Combinaison, draft, gestion de main, gestion de ressources, pouvoir. Bien! Un jeu de cartes avec pouvoir.
C'est limité, là. Je cherchais peut-être un truc plus simple. Pour le Uno, tu vois. Moi? Il y a pouvoir dans Uno. Et... Uno. Uno. Uno lequel? Uno de 2021. Oh, c'est des pioches. Pas pouvoir. Oh, c'est des pioches. Il y a Sawari dans les fins de tuiles. Bah, je savais que c'est jeu de tuiles. Il n'y a plus jeu de cartes, là, non? Ouais. Il y a de la symétrie, plateau modulaire. Ah, oh, ça peut valoir le coup de le tenter. Sawari. 3. Collection. Collection. Genre Tucano. On va chercher Tucano. Tucano, il me semble qu'on est en collection, jeu de cartes, et sûrement qu'il y a des pouvoirs. Hein. Tucano. Non. Le préféré de Tom. Collection. Pas pour vous. Il n'y a pas pouvoir. Hein. Mais il y a un jeu de collection. C'est le là. À 6 000, ça fait beaucoup. 1900 en base. Ah, 1900 en base. Il y a tellement de. Ah, il va y avoir toutes les extensions de Magic, de machin et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me. On a dit collection et pouvoir. Ouais, ça y est, ça commence. 3 packs. C'est parti. Attention, la question va revenir toutes les 3 secondes. vais chercher un stylo. Je m'en suis un peu essayé. Oui, pour les mixtes. Non, pas de pouvoir. Pas de pouvoir. Envie de jouer pour les mixtes. Spellbook. Ouais. On a la même liste, non? Jeu de cartes, collection. Et pouvoir. Les toits de Paris, je n'y ai pas joué. Collection stop ou encore? Ça ne charge pas tout le réseau. Oh, bon, bien sûr. Eh, hey, Faroway, on est bête. Ben oui, on va essayer de Jeu regarder. de cartes, collection, programmation, stratégie, gestion de main, il n'y a pas pouvoir. Pouvoir. Line it. Non. Un réseau pourri ou c'est mon PC? Son PC qui est mort. Hein. Il est Et mort. pourquoi mon Avec son perso? perso, je pense qu'il est. Et la WA. Et la WA, c'est pas mal, non? Collection, combinaison, gestion de ressources, jeu de cartes, préhistoire, mais il n'y a pas pouvoir, vous rigolez quand même. Yo? C'est parce qu'ils n'ont pas joué à la version Mais avancée. oui. Collection, mémoire, observation. Rio. After Us? Du deck building, After Us, non? Ouais. Pouvoir et jeu de cartes et Collection. collection. Aidez-moi. Aidez-la. Aidez-la. Triquetta. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait dit sur Triquetta. Collection stratégie, jeu de tuiles. Zero Hero. Calcul collection. Mais maybe ça pourrait être Knarr, jeu de cartes, pouvoir. Collection image. Non, c'est pas collection. Non, mais collection, c'est vraiment particulier quand même comme mécanique. Bah Quoi. oui, genre Tanuki Market. Tu peux chercher Tanuki Market? Les jeux de collection comme ça. Tanuki Market. Tiny Epic Vikings. Alexis, ça, Tanuki Market. Oui, c'est Alexis. Collection. Y a pas pouvoir. Non. No power. No power at all. T'es sur Okay. collection? Moi, je suis sur pouvoir. Non, je suis sur collection. Il joue? Jeu de platal là. Ouais. Bonjour de plateau. Irtus Slay. Slime. Trop bien ce jeu. Ouais. J'ai hâte qu'on y rejoue. Hâte de perdre. Ah, il y a un Monopoly Donjons et Dragons. Je le Ah, je veux. le veux. On cherche un jeu de cartes. Hein. Jeu de cartes. Ni le Ah, dé. si. Le truc avec le gant, mais c'est pas tagué Marvel. Ça y est, j'ai une explication. Ah, le truc avec le gant, mais c'est pas attaqué Marvel. Splendor? Non. Splendor, en vrai, ça marche, c'est un jeu de Splendor, c'est. collection. Mais non, c'est pas. C'est un jeu de jetons. Un jeu de jetons, je suis sûr que Splendor, ça marche, je cherche le.
Non, mais tu vois de quoi je te parle. Mais si. Mais si. Combinaison, commerce, échange, gestion, récolte. Je sais bien le jeu de cartes, j'en dors. Pas Villenous ? Non. Le jour où tu fais monter ta puissance, à la fin, c'est ta puissance infinie et tu tues tout le monde et t'as gagné. Shard of Infinity. C'est un deck building, Shard of Infinity. Mais c'est quand même un jeu de cartes. Oui, mais on n'a pas de deck building. Comment tu sais ça ? Parce qu'on a mis It's Wonder Cool World. Il est pas. On a mis un truc, il nous a dit c'est pas deck building, on en a mis un. Genre, je sais plus lequel. Oh putain, c'est de l'affrontement et c'est pas de l'affrontement qu'on cherche. C'est bizarre d'avoir des pouvoirs, mais on s'affronte pas. Je sais pas chercher. Quand on va voir le jeu, bien sûr qu'on va se dire bah non, bien c'est sûr. Mais c'était sûr. Fluffy Valley. Il y a la bête qu'on entend un peu parler en ce moment. Qui... Je pense pas que ce soit un jeu de cartes, la bête. Effectivement. Il y a Happy Little Dinosaur. Happy Little Dinosaur. Et jeu de cartes, collection, pouvoir. Et alors, c'est chez les mêmes gens que tout cela, je crois. Happy Little Dinosaurs. Oh yeah. C'est pas ça. On a pas débloqué d'indice. C'est pas un jeu d'humour et de dinosaures. Et de prise de risque à élimination. Donc on peut éliminer les thèmes dinosauriens. Books of Time. Aïe aïe aïe. Jeu de collection Q-Birds. Q-Birds, c'est un jeu de collection, non? Q-Birds. Oui. On a joué là celui-là. Ah ouais, oui, on l'a encore dans le couloir même celui-là. Jeu de cartes, collection, mais il n'y a pas de pouvoir. C'est vrai qu'il n'y a pas de pouvoir. Citadelle. C'est un jeu de collection Citadelle, je pense pas. Là, je cherche moi madame, ok. Jeu de cartes, collection, pouvoir. Ah, qu'est-ce qu'elle en dit? On dit que c'est pas ça. Je m'en fiche, je le mets quand même. Trois indices. Et trois. Moi j'ai Mao. 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 Un jeu de vache, si c'est un Marche jeu de Mao. Mao. Oui. Ah, placement de cartes. Rajouter placement de cartes. Placement de cartes, ça doit pas être gros voilà, comme. 199 jeux, ça se rapproche. Alors là, en filtrage de jeux de base. En français, moi je mets. 128. 93 en français. Montu. J'ai encore pour, mais moi je l'ai ouvert tout à l'heure et c'était jeu parfait. De cartes. Non, c'est pas ça. Placement de cartes, ok. Voilà. Aetheria, comme Skijo, mais version skinné. Jeu de cartes, combinaison. Il n'y a pas collection. Dig Up Adventure. C'est un jeu que je connais, ça. Collection, placement de cartes, pouvoir, jeu de cartes. Oh, si c'est ça, c'est extraordinaire. C'est la vidéo qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Jeu de cartes, collection, placement de cartes, pouvoir. Oh, c'est tout. Possible, hein, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Oh, j'y ai cru. Oh, oh j'y ai cru. Ça aurait été. C'était pas un jeu dans une mine. Incroyable. Ce n'est pas un jeu dans une mine. Oh, la coïncidence aurait été folle. Star Scrapper Orbital. Qu'est-ce qu'il y a pas longtemps? Faut pas jouer, moi. Non, tu veux jamais jouer avec nous. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Marvel United, non. Codex Naturalis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas collection, c'est ça? Jeu de cartes. Et non. En lune dime. Je l'avais vu ça à l'époque. Jeu de cartes, combinaison, placement de cartes, pouvoir, il n'y a pas collection. Un destin de voleur. On pourrait commencer la prochaine fois par le 7ème continent, hein, vu le tag qu'il y a aussi. Ah, il y a une grosse paire de tags. Je voulais retenir ça, c'est des bons trucs pour démarrer. Quand même. L'astuce. T'es presque sûr d'avoir un truc qui part dedans, quoi. C'est pas ce qu'il joue. Eh, hey, Punto. Non. Pas Punto. Pas Punto. Punto. Toten Toten pour voir. Il joue tout court, tu m'as dit non? Il n'y a pas collection, je crois. Collection. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas pouvoir. Salut, chaud. On se rappelle d'un pillard de la mer du Nord où on m'a dit non, mais il n'y a pas médiéval. Service compris. Lancer hasard, placement de carte pouvoir, il n'y a pas collection. Ah, et pouvoir?
Oui, après que je connais pas. On a pas quoi l'éditeur non plus. Hein. Oh. On a dit jeu de cartes, collection, placement de cartes, pouvoir. Allez, c'est pouvoir. Donc c'est pas ça. S'il manque collection. De cap et d'épée. Affrontement, ça. Bon, et bien là, j'ai tout fait. Take 5. Quel est ce jeu? T'as pas tout fait, parce que sinon, t'aurais trouvé. Bah ben si, j'ai passé toute la liste, mais j'ai cliqué que sur ceux que je connais. Maintenant, il faut que je clique sur des trucs que je ne connais pas, genre Tokyo Train. Jeu d'ambiance. Il y a celui-là qui marche, non? Placement de cartes, pouvoir, collection ou jeu de cartes? Monster Café? Ouais. Allez. Est-ce que l'oubli aura trouvé? Monster Café. Ouais, souvent, c'est toi qui trouves, hein. Oui. Bien joué. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Bien joué. Mettre sur le Discord. Oh, on the Discord. Attends, je vais regarder quand même qu'est-ce que c'est ce jeu. Monster Café. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, c'est 5 familles de monstres avec lesquelles vous allez jouer pour cette partie. Chaque joueur carte 10 cartes, pioche 10 cartes. D'ouvrière. Hein? Et chacun 3 cartes monstres qu'on place flash cachée devant nous, formant ainsi une ligne arrière. Simultanément, les joueurs révèlent leurs cartes monstres restantes et les placent facilement devant eux, au-dessus de leur ligne arrière, formant ainsi leur ligne avant. C'est Théo Rivière et un des auteurs de Look at the Star. J'ai choisi une carte monstre en ligne avant. Et l'auteur de. 3 cartes monstres. Le monde est petit, hein. Oui. Un Katarzyjan. De dive aussi. Bon, ouais. Oh, mais ça s'est fait. Le matériel. C'est tout mignon. Mm. Ce petit jeu d'affrontement avec des monstres un peu pris au hasard. C'est pas affrontement. Ouais, pas d'affrontement, mais enfin, il faut les récupérer. Quoi. Ouais, ouais. Mais quand même. Collection. Affronter un peu. Avec le pouvoir. Ça, c'est. Bim. Alors tout pour Mundi, ça sera pour vendredi. On reprend une partie sûrement. Est-ce qu'on se ferait pas la deuxième partie du mur d'Adrien, tant qu'il n'y a pas grand monde et que tu vois. Ça me va. C'est pas. It's okay. On joue en solo, hein. On joue à deux. En invitant Lublinien. On joue solo. Hein. Solo. Alors on joue. Mur d'Adrien. On va faire des vidéos quand même, on va essayer de bien rejouer. Et de pas faire le bêtise dans ce plan de vie. Je suis invité. Merci. Invited. Alors on va essayer de faire un peu mieux que la dernière fois. Okay. Bon toi t'avais gagné. Je vais essayer de mieux gérer mes attaques. Le pit. En fait, tes défenses. Mes défenses, de mieux gérer les attaques des pits, de mieux gérer mes défenses. Bah après, tes fonctions de l'aléatoire, hein. Personnellement, j'avais défendu dès le début. Ah oui, mais là, les chemins, ouais. On voit mieux, on va essayer de mieux s'y faire. Bien collecté. Mmh. Section de mur complété. Section de mur complété, c'est ça, hein. C'est le mur, il est ici. Voilà. Colonne éclaireur. Défense, oui. Là, on a un tour de 4. Défenseur. Par contre, j'arrive pas à savoir les ressources, comment on les gagne, qu'est-ce qui dicte ce qu'on gagne. De base, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on a en plus. Alors. Ça m'a apporté une pierre, un bleu. Colonne éclaireur. On démarre avec la même chose. C'est quoi des colonnes éclaireurs? C'est ça, c'est ce tableau-là ici. Ok. Je vais peut-être quand même prendre l'aristocrate. Je marquerai des points en fonction de mon mépris final. Avec 4. 4, c'est pas beaucoup, mais la dernière fois j'ai réussi. Donc on va prendre l'aristocrate. Ouais. Et en section de mur complétée, j'imagine qu'il faut compléter genre la première, la deuxième ou la troisième section. C'est vraiment. Alors tu vois, moi j'ai gardé la carte où il y a un bonhomme noir. Où j'ai 3 bonhommes noirs au lieu de 2 de base. Et toi tu as dû garder une carte où il y a un bonhomme jaune. Oui. Et un mur. Voilà. Ça, c'est bon. Ok, ok, ok. Donc moi pour le moment, il faut pas que je prenne de mépris. Donc il faudrait que je défende.
Simple là pour défendre, bah, il faut le mettre et défendre. Simple, il faut aller mettre des défenses, qu'elle a dit. J'ai 3 civils quand même. Avec des civils, on peut faire des choses. Hein. Je serais bien parti sur. Et en bleu, voilà, c'est la classe. Et donc maintenant, avec les jaunes, on peut débloquer d'autres bonhommes. Avec des bleus, on peut avancer sur le mur. Peut-être on va faire ça. Je fais ça. Ici, je mets un bleu. Et il me faut un bleu et un rouge. Je récupère des bleus, je récupère des bleus au bain. Ah! T'as mis le temps en plus. Ah là, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. On veut récupérer un bleu pour faire le petit hôtel et gagner un civil chaque année. Je pense que ça serait pas mal. Donc je vais peut-être le mettre en théâtre. Théâtre, ça apporte quoi? Former les écoles de gladiateurs à partir en théâtre. Je vais faire ça. Je vais le mettre là, ici. Et du coup, je vais dépenser un bleu, un rouge et une pierre. Il me reste encore 4 civils. Un, 2, 3, 4. On peut aller chercher un truc en plus. Ici, il faudra atteindre le 6 pour partir ici. À 3, on peut faire ça. Le petit truc, mais il faudrait 3 pierres. On en a qu'une. Incoming attack. Là, on défend rien du tout, par contre. Hein. C'est complexe. Hein. Est-ce qu'on part au bain pour éviter la disgrâce? Il va se passer des choses, j'ai qu'une pierre. Après les marchands, ils font quoi? Alors, ça nous coûte en rouge un civil, on gagne une pierre, une production et une de piété. On gagne des trucs sympas quand même. On va atteindre le 3 ici, mais on peut gagner pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a ces jauges à monter aussi. Rouge. On va le mettre là où le rouge. Mais c'est bien, heureusement que c'est pas la semaine où il donne les cours. Bon, moi je suis embêté, hein. J'ai du mal à me projeter sur ce jeu, c'est fou. Hein. Il me met dans une posture où il y a des cases partout. Et moi, je veux me défendre des Pictes. Voilà, ça a été mon objectif. Du coup, je vais tout faire pour essayer d'avancer, pour aller me défendre. Ah oui, je voulais mettre mon bonhomme bleu là, par contre, avant de partir. Parce que le Training Grounds, tu peux y gagner une épée. Une épée, je te dis. Une épée par tour, par année. Et du coup, ça se met dans ta deuxième ligne, un wall guard. Ça parle hyper bien. Bon. Je sais pas, j'aurais peut-être pu prendre d'autres bonus, mais... Il faut pas trop se spécialiser, c'est ça qui est dur, je trouve. Moi, j'ai 4 civils, faut que j'en fasse des trucs, tu vois. Bah, les civils, ils permettent de débloquer ou des bleus, ou des pierres, ou des... Mais oui, ils permettent de faire plein de choses, mais c'est quoi le plus important? C'est d'aimer.
C'est vrai. Là, ça va me coûter pas mal de choses pour je sais pas. Ici, 3 pierres quand même. Il faudrait en générer de la pierre. Et yes. Il faudrait un bleu. Il faudrait pas un bleu. Bon, on va faire ça. On va aller chercher le rouge. On va aller chercher cette production là. On a deux pierres, donc on va aller faire ça. Et on va progresser sur le mur. Parce que moi, il faut que je fasse ce mur. Voilà. Ici, il faudrait que je fasse ça. Et le marteau, ça sert à quoi déjà? La production de pierres. Ah ouais. Il me reste 3 civils encore, donc 3 civils, pas des choses. Hein. 3 civils, il me faudrait une pierre, un bleu en rouge. Bleu en rouge, froid, je pourrais dépenser mes 3 civils pour avoir ça et faire peut-être mon théâtre. Le théâtre, il sert à quoi? Donner une représentation chaque année pour une pierre de plus, mais j'aurais pas la dernière pierre. Oh, tu dis faut pas se spécialiser, mais t'es déjà spécialisé en format quoi. Gagner un marchand. Team. Ici. Là. Gagner un soldat, une discipline. Était une ressource. Ouais, le théâtre qui permet à chaque année d'aller rater des trucs. Mais bon, si je le fais pas dès le début là, tu vois, là, typiquement, ça me semble pas bon. Mince. On peut pas undo deux actions. Undo. Là, il faut tellement de choses pour faire l'école des gladiateurs. Il faut deux rouges, un bleu, deux pierres. On gagne de la renommée. Et après, je peux faire quoi? Très bien ce qu'on peut faire au niveau des batailles de gladiateurs. Pas protéger le mur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça? Où est-ce que c'est expliqué? Le Ludus? Le Ludus Gladiatorius. Pas d'infobulle. D'autres, tu restes sur l'icône, t'as un truc qui se passe, autant là, je sais pas. Ah si. Tout un civil, un servant. Ou un servant. J'ai une bulle. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, on essaiera. On essaiera, donc il va nous falloir du rouge. Monter en rouge. Ah, t'as déjà envie de recommencer, mince. Bah ouais, parce que j'ai pris une pierre pour rien, je peux pas m'en servir. Franchement, je vais prendre la pierre d'en bas, tant pis. Bon, tant pis, je finis avec une pierre. Elle disparaît hein, si je l'utilise pas. Mince. C'est civil encore. Pourquoi je peux pas faire ça? J'ai pas fait ça, c'est ça? Ben, pourtant, on va faire ça, on va faire qu'avec les deux autres. Bon, je vais chercher ça. Je fais le civil en payant mon ça. Je fais ma défense et je vais défendre. Oui, moi ça m'a. C'est ma faute, c'est parce que moi j'ai mis fin à l'année, ça a du coup changé l'affichage. Exactement. Excusez-moi. Et il me reste un civil encore. On peut aller chercher de la renommée. La renommée me rapportera des civils essentiellement. On peut aller chercher un servant pour monter là-haut sur la production ou un bâtisseur pour aller chercher le niveau 3 et à l'année d'après peut-être aller chercher le workshop. Renommée, ça me semble pas fou. Dans la règle en français du mur d'avril. Et je crois pas. C'est mur d'avril, règle en français. En français ah, c'est l'enregistré, enregistré, ouais. Il n'y était pas il n'y a pas longtemps. On parle pas. On pourrait commencer à monter le traders. Non. On monte ici. On aura un soldat là. Enfin, on se rappelle qu'on gagne dans chaque. Dans chaque truc. Donc chaque. Tu gagnes le niveau de ta réputation. Ah je vais essayer ça. C'est bon, j'ai plus de ressources. Finir cette année, désolé. C'est quand même un jeu qui te pose dans des situations de réflexion en permanence. Incroyable.
J'ai de la disgrâce, non. Je crois que j'ai tout bloqué, moi. Les deux sont passés côté... Côté quoi? Mais si, on l'a lu, là, il y a la règle. Mais peut-être qu'on part en France. Français, je te rassure. Ils s'attaquent que sur le côté. Donc on a tous les deux réussi à défendre, donc on a obtenu un de vaillance. J'ai le chemin, donc production de ressources. Ou monument construit. Les monuments, c'était hyper dur. Faut atteindre 15 dans une zone pour pouvoir construire un monument. Production de garde-mur. Je pense que production de ressources, c'est quand même le mieux parce qu'en fait, au minimum 3, ça fait un point. On y arrive facilement. Je vais prendre production de ressources. Le monument, ça me semblait hyper dur. La dernière fois, on n'est même pas arrivé à 15 sur une seule barre, je crois. J'ai pas pensé à regarder la ressource qu'on avait dessous. J'avais un rouge et une pierre. L'autre, j'avais deux pierres. Et la deuxième icône, elle sert à quoi? Peut bouger un bonhomme sur un tapis roulant bleu de deux cases. Je sais pas. Et ça, je pense que c'est un mode... Okay. Un autre mode. Alors ici, il me faudrait deux rouges pour pouvoir construire mon Ludus. Donc, on va chercher la possibilité d'avoir un bonhomme rouge. Soit chez les Templiers, enfin, soit côté prêtre, soit côté trader. Je pense que je vais plutôt partir côté trader. Je vais jouer que des choses que j'avais pas jouées. Et voilà, et là je peux construire le Ludus. On le construit. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas grave. Et donc là je peux faire soit un bonhomme à casque rouge, soit je fais un bonhomme à casque bleu. Je peux en faire qu'un par an. Je paye en jaune. Et ici, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'en parlent pas de l'action du tapis des courses. Et là, je remets un servant et je fais ici deux. Ah, ça tire une carte au hasard et ça me met des défenses, je crois. Je regarde ce que ça fait. Alors, attends. Coche le Gladius Ludus. Harpon se bat avec un casque bleu, prend un dommage, meurt et obtient 2 de piété. Coche piété, j'obtiens 1 rouge. Coche piété. Ah, je refais. Je me bats avec un casque rouge, je prends 3 de dommages, je meurs et j'obtiens 2 de piété. Je fais monter ma piété à chaque fois que je perds. Mais si je réussis, je monte ma renommée, c'est ça? Et je peux le perdre qu'une fois par an, si j'ai bien compris. Peut-être une grosse bêtise, mais c'est pas grave parce que. Le logo là s'appelle marchandise. La bourse. Le tapis bleu là. Ah, t'as pas trouvé ça. Ah, t'as annulé. J'ai 4 pierres. Hein. Je pourrais faire. À cause du marché. Est-ce que tu veux que je lise le paragraphe du marché? Non. Ah, ok. C'est vachement sympa. Je fais mon petit échoppe d'artisan. Et là, on peut aller récupérer des serres, des civils, hein. Des civils quand même, pourraient être utiles. Civils qui me redonneraient quoi? Des pierres. Bon, les pierres, on peut aller chercher 2 avancées, mais il n'y a pas de ça. Il faut 3 bonhommes pour venir défendre le mur. Mais civils, je fais quoi? Faire un bleu. Je récupère une pierre. On va le faire, on va le payer en bleu. On va récupérer un jaune. Ici, ça me coûte une pierre. Je vais faire encore un jaune. Là, je pourrais récupérer une pierre. On gagne un point de discipline. Ok. Dans quel monde on récupère 2 pierres? Dans aucun monde on récupère 2 pierres. Ah, training rounds, c'est quoi ça? Ah oui, on peut envoyer des bleus pour construire un garde-mur. Une fois par an.
on gagne un point de discipline. Parce que là, ça va piquer à force. Hein. Faudrait quand même prévoir un peu partout. Je pense qu'avec le bleu, je vais faire ça. Tant pis, je verrai le civil après. Je vais former un gladiateur et l'envoyer au milieu. Et... Ah oui, mais ça coche quand même la première case. Dommage. Quel dommage. On a la possibilité d'augmenter notre discipline deux fois. Au moins une fois sur les deux. On a deux civils où on peut récupérer une pierre et avancer ici aussi. J'ai pas fait le théâtre. Deux civils, on peut récupérer encore un bâtisseur. Deux civils. On va avancer ici. Prendre de la renommée. Hein. Faisons ça. On va prendre les points. Essayer d'avancer là-dessus. Et en termes de défense, je peux pas faire mieux. Il me reste une pierre qui me permet de fabriquer ça et un soldat qui me permet de prendre ça. Si je fais ça avec le soldat, est-ce que j'ai accès à... Non, je n'ai pas accès à ça parce qu'il faut la monter comme ça. Et moi, de toute façon, c'est les sections de mur que je veux faire. Eh bien, on va prier. On a tout utilisé. Non, il me reste un servant. On va faire monter là, on va aller chercher des ressources en plus parce que les ressources il faut que je monte un petit peu quand même. J'ai fini. C'est bien. J'ai fini pour cette année. Le mur d'Adrien. Je peux pas y aller là. Alors, t'es où? Moi, je peux pas faire small hotel. Ah, c'est un noir qui me restait, pas un bleu. On va toute seule. Mmh. Oh, tu descends déjà partout, toi. Ouais. Belle défense. Merci. Bon, bah, tant pis, je vais le mettre là. Un soldat qui va me libérer un monsieur jaune. Donc, je relibère un soldat. Pour libérer un jaune. Encore. Deux jaunes, un rouge et deux pierres. Les pierres, j'arrête pas de les perdre, ça m'agace un peu. Il faudrait que j'ai un soldat noir. Donc, puis je vais aller au bain. Au bain. Au bain masqué. Oh et oh et. Si je vais au bain, je me pose le soldat ici. Et du coup, je peux mettre. Ah, je peux mettre qu'une pierre. Pas de bateau. Pas de pierre. Pas de pierre. Ah. Pas de palais. Si je vais là. Pas de palais. Je regarde un bouillon bleu. Ah. Là, du coup, je peux griser ça. Où il me reste un jaune. Un jaune. Oh, toi, un bonhomme bleu. Et le bonhomme bleu, je l'envoie où? Il peut aller en bas pour refaire du bleu. Where is the rag? Ok, le français comme ça. Ouais. On va vérifier un truc. Ah ouais? Bon, le temps que tu me cherches, ouais. S'il veut bien me la donner. Allez, fin de l'année. En espérant que mes défenses soient suffisantes. Oula. Ah non, de l'autre côté. Oh, oh deux fois, du seul côté où je défends pas, vous êtes sérieux? C'est bon, j'ai la disgrâce là, c'est ça? Mais fou! Non. Alors. Comment ça marche? Attends. Lublinia? Non. Force totale du gladiateur. C'est quoi force totale du gladiateur? C'est ce que je suis en train de faire là, c'est ça? Force totale du gladiateur? 4, 8, 12.
Est-ce que ce soit ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais c'est pas Ah, mais ça. on n'a pas la même attaque, toi et moi? C'est juste toi et moi. Pique attaque droite-gauche, une lumière échit et reçoit deux noirs, deux trucs noirs. Coche la valeur, valeur obtient un bonhomme noir. Passe à une attaque et obtient. On n'a pas la même attaque? Je sais pas. Par contre, il m'a pas ouvert ma règle. Elle se télécharge, elle est un peu lourde. Ouais, mais. On va un déchargement. Qu'est-ce que tu voulais voir? Et bien, force totale du réalisateur, ça veut dire quoi? Bon, une pierre. On va prendre ça, mais. Alors, c'est l'entraîneur. Oui. Au total, des cases encerclées, des cases remplies, peu importe le réalisateur qui survécu ou non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, c'est ça. École de médiateur. Bon, mais c'est parfait, c'est ce que je fais Après donc. construction, le joueur peut, comme action, remettre un serviteur ou un civil dans la réserve principale pour que l'un de ces deux médiateurs s'entraîne contre eux. Chaque fois qu'un médiateur s'entraîne, sa force augmente. Ce qui est indiqué en encerclant le cercle le plus à gauche. Après, si on ne force trois au début, je crois. Cependant, pour le faire, il doit respecter la condition du nombre de cases remplies de sa piste artiste. Parce que si là tu vas être limité, ton niveau d'artiste va limiter le nombre de combats que tu peux faire. Si t'es pas artiste 4, tu peux pas refaire un combat. Ah oui, Ouais. artiste 4, c'est marqué Voilà. là-haut. C'est ça. Okay. Oh, c'est cool, j'ai envie de jouer cette liste pour voir. Moi je voulais aller au marché et en fait j'ai rempli l'ébène et bon, c'est pas grave. Les temples, non. Section de mur, oui. Ouais, section de mur, c'est une valeur sûre, on en fait toujours. Hein. Alors, on a 3. Donc on va prendre un grand artiste pour pouvoir faire. Et je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Alors je suis bien 4 en artiste. J'ai bien du rouge ou du jaune. Moi je peux pas faire mes combats. Bien passé 4 hein. Est-ce que tu as deux rouges? C'est quoi la Ben, condition? un rouge ou un jaune, y a rien d'autre. Je vais fermer comment de médiateur moi. Moins trois cases remplies sur la piste artiste. On doit également avoir mettre deux serviteurs, un bâtisseur et deux ressources. Mais c'est fait ça, je l'ai construit. Coucou Dolmar, comment ça va? Remettre un serviteur ou un civil dans la réserve principale pour qu'un de ces deux gladiateurs s'entraîne. Je peux pas le faire. Salut dans le monde! C'est nul ça. Hein. Actualise le cas où? Raison. Actualisons. Ou un civil slash un servant. Bon. One battle per gladiateur per hier. T'en as pas fait là. Ben non, j'ai fait la manche d'avant, donc j'ai déjà loupé une manche. On a la manche 3, j'ai fait qu'un combat, quoi. Des images terribles. Hein. Il faut que tu lui dis apparemment. Alors, après avoir entendu ces gladiateurs, un joueur peut les faire combattre contre d'autres combattants entraînés plutôt que de s'acharner sur des serviteurs et des civils chétifs. Pour ce faire, il doit décider quel gladiateur va combattre et inscrire le numéro de l'année en cours dans la colonne appropriée sur la côté droit de l'école. Comme cela est rappelé en bas de l'école, chaque gladiateur ne peut se battre qu'une fois par année. Oui, bien sûr. J'ai pas de Après avoir soucis. enregistré quel gladiateur combattra le joueur, on retourne la première carte de la pioche destin. Ouais, ça je l'ai fait tout à l'heure. Là, je peux pas le refaire en fait. Là, j'ai pas la possibilité de mettre des trucs là et j'aimerais savoir pourquoi je peux pas en fait.
Tu l'as pas fait cette année. Ah non, c'est l'année numéro 2, on est bien à l'année numéro 3. Oui, on s'est fait attaquer deux fois. Donc, problématique tout ça. Mais est-ce qu'il est pas mort au combat parce que tu t'es fait attaquer? Ils sont morts, mais je vais en faire des nouveaux. Bah, s'il meurt, tu peux plus en faire de toute la partie. Car si t'as pas de chance sur tes premiers tirages, tu peux plus du tout de la partie. Oh, je trouverais ça bizarre quand même. Mort. comment tu peux en refaire? Comment tu pourrais en refaire? Mais à chaque fois, il me semble que t'as juste à donner un civil ou un soldat. Bon, bref, c'est pas grave. Vous avez, ils sont morts. Bah, mais c'est abusé. Ah mais t'as pas pris de disgrâce, du coup tu t'es fait attaquer et c'est tes gladiateurs qui sont morts. Tu rigoles, mais sur quoi si j'ai pris de la disgrâce? C'est autre chose ça, non? Moi je sais pas comment. Je creuse ça, j'ai pas compris. Le ludus gladiatorus. Pour ça qu'il vaut mieux attendre qu'il soit plus fort. Donc c'est bien ça. C'est toi qui as choisi de les envoyer? Oui, que t'as proposé? Je pensais. Ouais, mais comme tu peux le faire qu'une fois par an. Comment tu veux attendre qu'ils soient plus forts? J'ai pas compris quel était leur niveau. C'est quoi leur niveau? Comment on sait quel niveau ils ont? Tu poses beaucoup de questions. Eh oui, mais la règle, elle ne veut pas s'ouvrir chez moi. J'ai plus rien. Moi, je l'ai téléchargée, elle s'ouvre pas. Ah, vérifiez votre connexion Internet. Oui, lol. Ça m'a fait pareil tout à l'heure. Ok. Ah, c'est terrible. Donc là, je suis mort pour toute la partie. Donc là, mes points de victoire d'entraîneur, c'est 4, quoi. C'est un point. Même pas. Même pas parce que j'ai que de force 2, donc j'ai 0 points sur entraîneur. Juste parce que j'ai pas eu de chance. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là. C'est ça. Alors, Christesse. Il me reste 0 pierres. Donc ça vaut pas le coup, peut-être, d'aller mettre des soldats ici. On va défendre là-bas. Mon objectif... C'est garde-mur. C'est wall guard. Wall guard. Et le mur. Donc. Pour faire le après, mur. Après, tu feras mieux sur tes prochaines parties. Ok, ok. Mais il faut juste que j'arrive à définir qu'est-ce qui fait le niveau du gladiateur. C'est ça que j'ai pas compris. Pas grave, hein. Là, c'est pas grave. Il me reste des rouges, quand même. 3 rouges. On fait des choix, quand même. Si je fais ça, je récupère un jaune. Je vais faire ça. Un. Pareil, j'ai du rouge, on va. Non, j'ai fait qu'un jaune. On va avancer côté. Ah le boulet. Ils étaient niveau 1 car qu'une case de cocher. Voilà. Hop. Mais ouais, mais du coup, t'as. Mais quand tu. Donc t'as pas le choix. Donc c'est vrai, c'est full random alors. Donc t'es obligé de commencer par le 1, donc il est vraiment ton niveau 1, tu tires une carte et si t'as pas de chance, merci bisous. Donc t'as dépensé toutes des ressources pour un truc qui est complètement aléatoire. Non, j'ai quand même du mal à y croire quand même. No way. Ben... C'est un complexe, non? Au clair, cette histoire, hein. Si là, je mets un lui. Ah. Deux civils, si deux pierres. Je vais récupérer un jaune. Je voudrais gagner un bonhomme bleu, s'il vous plaît. On paye avec un moins. On peut en récupérer un ici. On a du renom et de la pierre encore. On va essayer de monter le renom. Écoutez, vous savez quoi, on va essayer de faire ça. Du coup, 4, on aurait la petite route ici qui serait débloquée. Il faudrait que j'ai deux rouges, un bleu. Waouh, deux rouges, un bleu. Deux rouges, un bleu. Je peux libérer une pierre. Je libère une pierre. Je peux encore libérer un jaune. Je peux le faire. Pierre, un civil. Ça me vaut deux jaunes. Ah, avec deux jaunes, je peux libérer. Un bleu. Je pense que je vais prendre la pierre et je vais aller du côté du côté des bennes. Là, du coup, le théâtre m'a déçu, sachez-le.
On a deux soldats, je pense qu'on va partir ici et ici pour aller prendre une défense en plus. Trois ressources. Ah, j'ai pas trois pierres. Je vais les avoir si je fais ça. On va gagner un bleu. C'est compliqué. On va gagner un civil. Là, j'ai deux civils pour aller chercher ça et ça. Et bang, pour les construire. Il faudra deux rouges, un bleu, deux pierres pour gagner un peu, essayer de limiter la disgrâce. Peut-être qu'on va faire ça. Il nous reste une pierre. Trois soldats, donc on va gagner un peu de discipline. On va aller chercher une défense. On va la mettre ici. On a encore un soldat. On va aller chercher le niveau 5 là. Moi je peux gagner du renom, il faut que je monte ici. Je cherche moi comment on compte la petite usine là, le small workshop. Le small workshop. C'est au moment où tu le joues, hein, je pense. Personne. Si je gagne si je pose un bleu, je gagne trois pierres. Avec la pierre, je fais ça. J'ai tout utilisé, finir cette année. Coucou Gaëlion, comment ça va? Coucou. Ma chaise qui part en cacahuète. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas croisé, je crois. Si, là, on le recroise depuis quelques temps. Il est sur le Discord et tout, il partage les Ludix. Ouais. Ça, j'ai vu. Ah, toi que t'as vu. Est-ce qu'elle est arrivée, cette règle? Un contre-lef pour Gladiateur, c'est ça? Ludus? Ouais, tu peux. Hein. Non, ça s'appelle... ça s'appelle pas Ludus. Gladiateur. École de gladiateur. Alors, ça me trigger un petit peu. Moi, le temps que Lubie elle finit son tour, on a le temps de lire. Oui. Ça dépend de mes horaires. Eh ouais, mais ça. Et oui. Donc, avant de partir à Rome en quête de gloire au Colisée, les combattants audacieux devront faire leur preuve dans l'arène locale. Au cours de la partie, chaque joueur peut entraîner jusqu'à deux gladiateurs. Casque rouge, casque bleu. Afin d'entraîner les gladiateurs, un joueur doit d'abord construire l'école de gladiateurs. Ok, pour cela, il doit avoir au moins 3 cases remplies, ça l'avait fait. De remettre deux serviteurs, un bâtisseur et deux ressources de pierre dans la réserve. Une fois qu'il a construit l'école, le joueur doit remplir la case d'école gladiateur, ce qui lui permet de gagner immédiatement un point de renommée. Jusque-là, on avait bon. Après la construction, un joueur peut, comme action, remettre un serviteur ou un civil dans la réserve principale pour que l'un de ces deux gladiateurs s'entraîne contre eux. Chaque fois qu'un gladiateur s'entraîne, sa force augmente. Ceci est indiqué en encerclant la case la plus à gauche. Une case qui n'est ni encerclée ni remplie. Cependant, pour le faire, il doit respecter la condition du nombre de cases remplies sur sa piste artiste. Ok. Chaque gladiateur ne peut être entraîné que 6 fois. Et oui, là, il les a entourés. Alors pour moi, ils sont entourés et raturés, donc ils sont morts en fait. Mais j'ai juste eu pas de chance alors en vrai. C'est abusé, non? Tu fallait pas les envoyer. Mais tu peux le faire que 6 fois. Arrêtez de me dire qu'il fallait pas les envoyer, t'es obligé de commencer par là. Non, mais ça, c'est l'entraînement. Toi, tu les as utilisés pour qu'ils te défendent pendant l'attaque. Mais non, c'est quand j'ai fait cette action qu'ils sont morts de suite. Hein. J'ai pas eu le choix. Ça a révélé une carte et paf, ils sont morts. Je n'ai pas compris ça, moi. Bon, alors, j'ai pas compris, mais moi, j'ai pas choisi de les envoyer au combat. Bon, j'ai pas compris. Non. Après avoir entraîné ses gladiateurs, un joueur peut les faire combattre contre d'autres combattants entraînés plutôt que de les faire s'acharner sur des serviteurs et des civils chétifs. De décider quel gladiateur va combattre, inscrire le numéro de l'année en cours. Ah si, c'est ça que j'ai fait. Ça y est, j'ai compris. Ok. Je les ai entraînés et après j'ai vu que je pouvais cliquer à côté. C'est là où j'ai merdé. J'ai cliqué à côté, il fallait pas cliquer là. Et c'est là où je suis parti combattre. Et comme ils étaient tout petits, ils sont morts. C'est ici que j'ai merdé. Ok. Donc comment ça marche ça? Ouais, c'est là. Après avoir enregistré quel gladiateur combattra, le joueur retourne la première carte à la pioche, destin. La valeur à côté de l'icône gladiateur violet indique le nombre de dégâts que le gladiateur joueur subira, 1, 2 ou 3. Le joueur doit noter en remplissant les cases entourées. Ok, notez que si un gladiateur subit plus de dégâts qu'il n'a de force, case encerclée, le joueur ne remplit que la force qui lui reste.
En d'autres termes, il ne remplit pas les cases qui n'ont pas été présentes. Non, non, c'est l'attaque. J'aurais dû t'attendre. Et non, donc c'est 1, 2 ou 3. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Passe à une attaque et obtient une disgrâce et un réussite. Oui, le clic sur le côté est gratuit en plus. Ouais, c'est ça, ça. J'ai vu la case, j'ai cliqué dessus et c'est parti. Ok. Donc en fait, en gros, c'est comme si c'était des points de vie. Ouais. Donc ça va de 1 à 6 au maximum, tu les entraînes. Et quand tu cliques ici, tu les fais combattre, mais ça va de 1 à 3. Donc, tant que t'as pas dépassé 3, t'as une chance effectivement de les perdre directement. Et donc, bah là, j'ai construit moi. J'ai complètement foiré mon école de gladiateur pour cette partie. Et bon, ça sert à ça, hein, ça sert à... Comme ça, on apprend. Section du garde-mur complété. Liste citoyen complété, ça c'est mieux parce qu'on a déjà une de fait. C'est quoi les cohortes du coup? C'est ça là-haut. Les cohortes, c'est les lignes de défense. Ok. Let's go. Alors, on a des ressources dans tous les sens. Il y avait un monde où je voulais faire ça. Peut-être plutôt celle-là qui apporte de la renommée. On va peut-être plutôt la renommée. Si on a de la renommée. Il va falloir construire les bains. Les bains, j'ai besoin de deux rouges, un bleu. Déjà, il manque un rouge. On n'est pas bien. Il manque un rouge. Avec un petit avertissement sur cette case d'une validation, on pourrait aider à mieux comprendre cette partie du jeu. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'avais... Alors déjà, maintenant, la règle est en français. Je crois que c'était pas le cas avant. Non. La dernière fois que j'ai lu la règle, elle était en anglais. Et là, déjà, elle est en français. On va aller chercher un petit bonhomme rouge pour pouvoir construire les bains. On va faire ça. On va construire les bains, ça fait de la renommée. Et ici, donc pour une pierre, eh bien on va retirer un mépris. Donc on va le faire. Voilà. On peut le faire qu'une fois par an, donc il faut le faire. C'était la priorité pour Anne, parce que la dernière partie, je l'ai perdu parce que vraiment, j'ai perdu trop de points là-dessus. J'en ai perdu 15 points. Là où Lubli, là déjà, elle a 0. Et ça, je pense qu'elle a mal supporté ça, sa mort de ce matin. Elle joue la défensive. Là. Ça va, je suis morte ce matin. Ici, vrai. Une pierre. On gagne de la renommée encore et on peut défendre. Donc, on va défendre au milieu. Essayer de maximiser les défenses un peu partout. Ici, on peut gagner. Donc, on a 3 soldats pour aller chercher de la défense sur le côté, là-bas. Juste des points de légion qui nous redonneraient un bâtisseur. C'est pas mal ça. Normalement, côté gauche, on peut en défendre à deux partout. Pour pouvoir construire ça. Mais il me manque un bonhomme rouge. Un peu 3 jaunes et une pierre. Donc si je fais ça, c'est pas dispo. Je comprends rien. J'ai plus de pierre. T'as plus de pierre. J'ai des pierres. Un bonhomme bleu. Et là pas dispo, non mais dispo. Calme-toi. Fiche mon goal. Fiche mon gros. Et il faut des servants un peu partout hein, quand même. Non mais sérieux. Ah si, on peut prendre du monde ici. Comment ça se fait que je peux pas faire ça? Comment ça se fait que je peux pas faire la petite route? On me dit bien qu'il faut deux bonhommes rouges, un bonhomme bleu et une pierre. Je trouve de la pierre. On va partir là-dessus. On peut monter sur la piste verte. Hein. Ah. Pour pouvoir avancer ici, regagner déjà un civil. Alors. Mais un civil en plus, deux pierres. On les a pas les pierres. On ne les a pas. On va quand même avancer là-dessus. Le civil, on va aller chercher le soldat. Le garde-mur, j'ai ou pas? Récolteur, défenseur, entraîneur, planificateur. Oh, je vais tellement pas faire de points. Piste citoyen, c'est pas trop mal. Défenseur, section de mur complété. On avance bien. Récolteur, c'est production de ressources. Bon, on a un point quoi.
pas ouf. On peut faire ça, on peut entraîner ici pour aller chercher la, le bonus, récupérer ici. L'avoir là aussi. Hein. Des choses. Ok. On va défendre ici. Mal de bonus là. Il va me rester un bonhomme bleu, j'y crois pas. Ah ouais, j'ai tellement de... C'est nul ce que j'ai fait. On va entraîner un... Garde-moi. Je l'ai mis directement. Ici, je pourrais avoir pour deux bleus, je pourrais aller chercher un soldat et aller chercher ça. Il y a beaucoup mieux à faire, je ne sais pas. Le jaune me redonne un point là-dessus. Bien au même. Est-ce qu'on peut avoir un soldat? Eh non, on peut pas avoir un soldat en plus. On peut avoir juste un civil. Un civil ou un servant. Deux constructeurs. Pour deux bâtisseurs. Alors, l'exploration. Ça pierre ici. Je pourrais chercher en rouge grâce aux formes. On va prendre un civil et avec le civil on va aller chercher. Ah bah je pourrais avoir le soldat sinon. Le soldat qui me permettrait de prendre juste un point de plus. Grâce aux formes. Ça revient au même. Hein. Un soldat et j'avance et je prends le point ou je prends le point ici directement. Ça quand même pour prendre ça. Hop, ressources à zéro, finir cette année. Il reste deux années. Bien, on ouais. est bien plus rapide que la partie précédente. Donc là, la partie d'avant, j'avais joué à fond sur les éclaireurs aussi et les diplomates. J'avais fait quelques erreurs aussi. J'avais joué les temples. Là, j'ai voulu jouer école de gladiateurs, donc je me suis un peu planté, mais je rattrape le coup avec le bain. Ça va. Et par contre, comment on fait pour monter sur ces pistes de... On s'y prend mal, non? Ah, les pistes, elles montent à 25. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à monter, non? Ou alors, on monte trop tout en même ouais, temps, peut-être. Je pense qu'il faut se spécialiser, si tu veux. Se spécialiser davantage. Là, c'est fou. Hein. Et là, il me reste un bleu et deux ressources, ça suffit pas. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on me demandait. Je suis fatiguée. pourquoi je peux pas fabriquer la colonne? Colonne de quoi? Colonne dans les landmarks, dans les trucs, les monuments. Faut avoir 15, faut arriver 15 sur une piste déjà. Ah. T'es pas à 15 sur une piste. Ok. Tu vois, c'est la petite arche que tu vois ici, en bannière orange. Donc tant que t'es pas à 15 dans une des pistes, bah tu peux pas le faire. Okay. Donc, pour faire par exemple la jaune, tu vas être à 15 dans le jaune et tu gagnes 2 points de la piste noire. La bleue, faut être à 15 en bleu, tu gagnes 2 points sur la piste bleue d'ailleurs, c'est bleu boost bleu. Bon, ben, j'ai deux pierres et un bonhomme bleu. Le bonhomme bleu, je peux toujours rien donc en c'est faire. C'est l'inverse, je crois. Donc. À 15 en piste jaune, tu gagnes 2 de vaillance. 15 en piste violette, tu gagnes 2 disciplines. 15 en piste noire, tu gagnes 2 de piété. Et 15 en piste bleue, tu gagnes 2 de jaune. Elles se répondent de l'une à l'autre. Bon, allez, j'avance. Mais t'as bien défendu, toi. T'as rien pris. 3-3-3. Mmh. Ah oui, c'est mon objectif. Ça me moi, je suis qu'à 3-2-2. Donc, bon, là, on va prendre, je sais pas combien de cartes. On le voit ici. Hein. 5 cartes. 4. On est en mode facile. Donc, incoming, picked, attaque. On va devoir défendre 4 cartes. Donc, là, normalement, on devrait pas prendre trop de dégâts. Sauf si les 4 tombent au même endroit. Allez. Si j'ai un peu de chance, tout part. Je perds un bonhomme bleu. Ouh là là. Là, je crois que tout est défendu, non? Tout est défendu. Il n'y a pas eu de disgrâce. Ça, c'est plutôt bien. Nouveau chemin, combattant, cohorte complétée, ça va être chaud. Grands édifices, je ne sais pas ce que c'est grands édifices. Mais c'est ce que c'est en bas, là, les landmarks, justement.
L'arche, le monolithe. Donc c'est les monuments, quoi. Ouais. 2, 4 ou 6. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça parce qu'il n'y en a que 4. De quoi? Des grands édifices. Et donc? Donc c'est pas ça. Les grands édifices, c'est la version grande des bâtiments. Et moi, j'en ai fait aucun. Si, le grand Ludus Gladiatorius, c'est un grand édifice. J'en ai fait un. Et est-ce qu'avec un, on a des points de vie? Des points de victoire? Non, il faut 2. Qu'est-ce qu'on pourrait construire comme grand? Putain, j'ai pas beaucoup de pierres. On va partir comme ça. En plus, il faut construire le petit pour construire le grand. Pour aller, ah non, je me suis trompé, je me suis trompé. On va prendre les cohortes, même si je pense que je ferai rien en cohortes. Non, je me suis trompé. Vous pouvez cocher une case indéfinie attribut gratuit restant dans vos routes. Donc, pour une pierre, on peut annuler la deuxième disgrâce. Je pense qu'on va le faire, on peut le faire qu'une fois par an, donc c'est fait. Donc, je peux gagner un bonhomme bleu ou un bonhomme noir. Les bleus, ils étaient bloqués tout à l'heure. Ça, je l'atteindrai pas. Par contre, ça, je vais l'atteindre pour 2 pierres. Regagner un civil, et on peut avoir une défense supplémentaire. Sécuriser au milieu, sachant qu'on va avoir ici incoming attack, une carte à défendre. Il va falloir un peu de défense quand même. Ici, on peut passer au grenier large. Ça, il faut le faire tant qu'on a des bonhommes. Hein. Quand même 2 pierres. Moi, je l'ai fait. Voilà, comme ça, on peut passer à l'étape d'après. 6, on pourrait faire ça. J'ai déjà plus assez de bonhommes. Et Mimi, c'est rare. C'est terrible, non? Ah non, mais le jeu est d'une rudesse incroyable. Moi, je vais défendre, je vais gagner un de noir. Ça va me redonner un soldat. 2 pierres. Comme c'est que j'ai besoin des pierres ici, quoi. J'ai besoin des 2 pierres pour venir chercher au moins cette défense-là. On remarque, avec un soldat, je peux chercher une défense. 1, 2, 3. Sur un bleu, on peut venir chercher 2 défenses. J'ai besoin d'un bleu, un rouge. Un bleu, un rouge et 2 pierres. Déjà, comment j'obtiens un rouge? La vraie question, elle est là. Comment obtient-on un bonhomme rouge? J'investisse 2 civils. On va le faire. Pas construire ça. On a nos potentiels 3 soldats ici. Allez, on va regagner, c'est ça. On va mettre les 3 soldats ici. On va défendre middle. On vient chercher la légion. On a 2 bâtisseurs, donc on pourrait venir ici déclencher le 7. Même si on s'est pas pressé, on peut entraîner ici pour aller chercher une deuxième défense. Je pense que je vais le faire ici. Je vais entraîner un bleu pour défendre. Comme ça, j'ai 3-3-3. Normalement, on est pas mal. Moi, j'en ai une là. Une pierre. On regagne un civil. On la prend. Et là, on va voir ce qu'on fait avec nos civils. Il y a de la renommée à chercher, mais il faut des pierres surtout. Je peux finir ma piste verte, j'obtiens un bonhomme bleu, on gagne un... ici, on est pas mal. Hein. Je vais prendre, ça c'est fait, je m'en occupe plus. Il reste encore 2 civils pour aller chercher de la piété et des servants. Ou alors un seul servant. Deux, trois, on peut partir de 3 points ici. Alors la pierre, la pierre, ça manque. Sinon, on va chercher des servants plutôt là. Là, il y a le point de renommée à aller chercher ici. Je vais le prendre là. Je vais prendre ça ici en bleu. De nouveau civil. Bleu,
Et que si on va aller chercher le point de renommée, il me reste un servant. Donc par progression, on ira chercher une récolte en plus. Fois, ça servira à rien. Ça servira un peu à rien, ça. C'est la dernière année, donc je ne profiterai pas de cette récolte. Ah, c'est la dernière année ? Non. Après. C'est-à-dire que si au tour d'après, je vais cocher de la récolte, ça ne servira à rien. Je suis tellement déçu d'avoir foiré cette école de gladiateurs. Là, je peux rien faire de ce serviteur. On les garde d'une année sur l'autre si on les utilise pas. Non, on garde pas. Hein. Non. On le met. Et c'est fini pour moi. Il y a quand même un sacré côté rejouable parce qu'on c'est addictif. Quoi. Fais moins de conneries. C'est vraiment addictif dans le sens où vas-y, fais moins de conneries. Merde, je... pardon. Alors deux pierres. T'as dit merde. Ouais. Out. Wow. J'ai un bonhomme bleu. Je prends un bonhomme bleu. On regagne un bonhomme jaune. Voilà, un bonhomme noir. Un bonhomme de neige. Ouvrir avec moi. On le compagne. Il reste deux civils. Qu'est-ce que j'en fais de mes deux civils? Les civils, c'est facile, t'as toujours une utilité dans les quatre pistes là, quand même. Cinq ouais, pistes ouais. Même. Des trucs intéressants à aller chercher, quoi. Prochaine partie, je joue trader pour voir si je peux. Essayer de voir un peu comment ça marche. Ça a l'air assez extraordinaire, trader aussi. J'ai voulu partir dessus et j'ai pas réussi. Donc, bah, j'ai joué autrement. Allez, c'est bon, j'ai plus de ressources. Oh là là. 1, 2, 3 au milieu, ça me va. Je crois que c'est bon, on n'a rien pris là encore. Ouais, parfait. Alors, garde. Ah, colonne éclair complétée, on n'a pas du tout fait. Et mépris final. 0, 3 points de victoire. Ah ouais, c'est pas mal, mépris final. Moins t'en as, mieux c'est, donc je pense qu'on part sur une bonne base là. Et on va avoir combien d'attaques à gérer? 8. 8 attaques. Par contre, au niveau de mon défenseur, section de mur, là il faudrait que j'arrive à aller au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pierres. On n'arrivera pas au bout. On n'arrivera pas au bout. On pourrait faire le Lage Workshop pour un point de renommée supplémentaire. On pourrait faire la Small Road. Pas trop envie de faire la Small Road. Vérifier le monolithe. J'ai bien compris l'esprit. Le monolithe existe au moins 15 de piété. La dernière. De piété, hein? 15 de piété. Ah bah c'est ta barre la plus basse donc. Donc c'est l'arche que je devrais pouvoir faire. Ah, t'es pas et l'arche te donne. Un bonhomme bleu et deux pierres. Et deux points dans la barre jaune. Et avec mes soldats, je devrais pouvoir y arriver, non? Si je le mets maintenant, j'ai encore un bonhomme bleu, c'est-à-dire que bonhomme bleu, je peux finir ma barre ici. Ici, il faut faire ça. C'est le dernier âge? C'est la dernière déjà. Ok. J'ai déjà deux bonhommes bleus, donc ok, je me mets là. Un bonus. Garde-mur, j'ai pas finalement, j'aurais dû... Moi, je peux essayer d'aller faire ça, tout ça, parce que la récolteur, je vais pas faire beaucoup de points. J'ai 6, mais j'aurais jamais 6. D'ailleurs, comment les construire? Mais j'ai 2. Non, 2. 2, même si on va chercher avec les 3 civils, 1, 2, 3, on en récupère 1, donc on est là. On est loin, on a du bâtisseur, on peut aller chercher du civil. Deux bâtisseurs, quatre soldats, on peut aller chercher pas mal de choses ici, on peut se défendre pas mal. Hein. Et 15 en bleu, du coup le bleu c'est quoi? C'est la statue qu'on peut faire avec 15 ouais, en bleu. C'est ça, je me suis trompé, c'est la statue. Un bonhomme bleu et deux pierres, ça rapporte 2 points de renom. C'est pas mal ça quand même. Hein.
On voudrait pas faire une statue. Je gagne 3 points de 3 casques bleus. Comment je gagne 3 casques bleus? Avec mes soldats. 1, 2, 3, 4, je suis pas. Terrible. Plus de bâtisseurs, donc on doit pouvoir y arriver, je pense. On va faire tout ça. Bon. Dépensons les soldats, voyons voir. Au milieu. J'arrive ici. Donc ça, c'est trop tard. Les bâtiments, les autres bâtiments, c'est trop tard. C'est des bonus pour chaque début d'année. 1, 2, 3, 4. Oh, il y a 2 points de renom à aller chercher. Ici, si je dépense les 2 bleus, je peux avoir 2 bleus supplémentaires. 1, 2. Et du coup, j'ai plus de bleus qui me manquent. Mais avec les 2 rouges, je dois pouvoir faire un bleu. Bon, voyons. Voyons voir. Ah non, pas assez, il m'en faut. Ah si. Chercher le bleu qui me manque dans le civil. Hein, je mets 2 ici par celui-là. J'équilibre là-bas. Et jamais de la vie, j'y arrive. Hein. Il me reste 2 civils. 2 civils. Casse-tête. Oh, je vais pas y arriver, je suis déçu, 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 je peux même pas faire mon arche. Faire un bonhomme, comment je fais un bonhomme ah si, je fais un garde-mur, mais non, je peux pas. Avec 2 rouges, je fais un bleu et je fais mon entraînement ici qui me fait cocher ça, mais j'aurais pas le bonhomme bleu pour défendre, pour défausser. Et je ne peux pas l'avoir. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Bon ben c'est pas grave, on va quand même le faire. Hein. On va prendre les 2 rouges pour un bleu. On va former un. Et ici on pourrait faire ça, mais on n'a pas le... Ah si, j'ai le bleu du coup. Ah, 2 points de renommée. Il me restera 2 pierres, encore un point de renommée et regagner un civil. Oh, je vais le faire. Je vais le faire de manière de dire j'ai fait une statue. Avec la pierre ici, on refait un point de renommée. On reprend un civil. Et là, on a 4 civils, donc on finit pas une autre barre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On n'a plus rien à bâtir. 1, 2, 3, 4. Oh, je l'ai mal géré. 2 points, aller chercher un violet. 3 servants. 2. De toute façon, je finirai pas cette section de mur. Donc, le mec, de plus. Je vais partir en temple. Ici, donc là, on a 3 servants maintenant. 2, 3, on a une pierre ici, et voilà, c'est fini. Et bien écoute, on va savoir qui va gagner là. Mieux gérer les défenses, beaucoup mieux. Alors toi t'es full def, toi tu crains rien. 5, 6, 6, écoute, t'as cohorte. Non, t'as pas cohorte. Avant-garde, t'en as 2. Aristocrate, tu vas être bien. Combattant, 6 et cohorte complétée, t'en as 2. 3. Récolteur, t'as combien sur ta piste de récolte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, t'es aussi à 2 points. Voilà, tu as tellement gagné sur les objectifs. Bien joué. Je peux avoir qu'une pierre de plus. Une pierre, ça me sert à rien. Il m'aurait fallu 2 pierres.
Je me suis loupé. J'aurais dû faire le. Arriver à 15. Moi aussi, j'ai pas fait assez de cartes. Avec la valeur, j'aurais pu faire la colonne et j'ai pas pensé. Donc, c'est pas grave. Il me reste un bonhomme rouge et un bonhomme noir à placer. Le noir pourrait me donner encore un rouge, mais je pense que c'est tout. Ah, si, peut-être. Attends. Alors, peut-être. Ici. Miracle ou pas miracle? Non, pas miracle. Pas miracle. Alors, on a un Z. 1, 2, 3. Je sais pas. Un T. Tu veux un T? Ah ouais, pas mal. 1, 2, 3, 4. C'est 4 ou 5, ça fait que 4. Ah, je peux aller chercher 2 pierres quand même. Avec 2 pierres, qu'est-ce que je voulais faire avec 2 pierres? Avec 2 pierres et un rouge? Non, un rouge qu'il me faut. Ah mais pas dit, tu réfléchis pas pour pas que tu gagnes trop? Je voulais pas le dire. D'accord. Bon, je vais quand même le faire parce que c'est rigolo. Faire ça. Une construction. Où j'ai 3 bonhommes. Donc 1, 2, 3. Et du coup, j'ai une pierre. Il me sert à rien. À le boulet. Pas grave. Rien de cette année. Je confirme. Ça attaque fort. 5 de 2. Ah oui, d'accord. Ça calcule vite. 67 à 53. Aïe, aïe, aïe. On a mis combien de temps? 1 heure. 3 minutes. Ah. Renommée 14 tous les deux. Piété 3 à 6. Valeur 19 à 12. Discipline 19 à 15. Chemin 12 à 7. Voilà, tes objectifs, t'as fait 12 points, je fais que 7. J'ai que 5 points d'écart, donc c'est pas là les 5. Ouais, mais tu vois, c'est cumulable parce que j'ai pas de mépris. Et donc, du coup, j'ai un max de points. J'ai un de mépris. Parce que t'as pris une attaque. T'en as un. La première attaque que Bella ou t'as. Oh, j'en ai pris un sur la dernière. Ah mince. Je savais pas vu que tu les avais annulés. Bah, j'ai pas eu de chance quand même parce que j'étais quand même à. Ouais, 4 quoi. 4 partout. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 4 attaques sur une seule carte. Sur une seule carte. Pas de chance. Bah là, il y a 5, il y a eu 5. Il y a 5 de 2, il y a eu. Ah ouais, donc j'ai pas eu de chance. Non. 5 à. Parce que du coup, ça m'enlève pas mal de points, ça. C'est la seule que je pouvais avoir, c'est aristocrate. J'ai perdu du coup. Donc les objectifs, ils sont plusieurs fois. Moi aussi, j'ai aristocrate. Ah non, ça va parce que j'ai quand même eu 3 points. Parce que c'est 0 égale 3 points, 2 égale 2 points. Je suis à 1. Donc c'est quoi, ça fait combien 1. 1 pour 2 points de victoire. Non, j'ai quand même eu les 2 points de victoire. Moi, j'en ai eu 3 du coup. Car si t'as 0, t'en as perdu qu'un du coup. Mais, Ah oui, du coup, t'es classé dans 2. Même si t'es pas à 2. Ouais. Ok. Mais tu vois, après, ça se complète parce que pour le coup, j'ai pris le truc des cohortes. Donc elles sont toutes remplies. Donc oui. Ça fait 3 points aussi. Ah, mais tu les as choisis. Mais, hein. Ouais, mais plus t'as de cohortes, moins t'as de mépris. Donc elles sont. Aristocrates et combattants. Ce qui me met dedans, c'est entraîneur, quoi. Donc je vais miser sur mon école de gladiateur et je marque 0 points alors que j'aurais dû marquer. J'arrive à marquer des points. Je peux faire aussi des points là-dessus. Et du coup, ceux qui ont déjà joué plusieurs fois, on peut avoir plusieurs fois le même objectif, du coup. Et je crois pas, à chaque fois, on n'a pas eu le... Bah, j'ai jamais eu de doublon, mais... Non, je crois qu'il y a un tas de chaque objectif qui est mélangé et qui te les sort dans l'ordre. Je pense pas que tu puisses avoir deux fois le même. Ok. Bon, il faudra refaire une partie pour que je joue bleu, c'est-à-dire commerce. Et pareil. Je pense que j'aurais saisi à peu près tout le jeu. Alors, sachant que je ne suis pas allé voir du côté du tribunal ici. Pas trop ce qu'il fait le tribunal. Mais déjà, il faudrait peut-être relire la règle en français. Pour deux rouges et un bleu et deux pierres, tu construis le tribunal. Bien joué, Lubli. Merci. Tu gagnes un de renommée. En fait, ici, tu peux gagner un servant. J'ai mieux compris que ce que je faisais la dernière fois. Après, je joue quasiment pas avec les civils. Ok. Je joue quasiment qu'avec que le plateau du château. Moi, j'ai complété. Enfin, j'ai complété mes trois pistes. Oui, les pistes. Mais derrière, j'ai utilisé quasiment aucun artifice des bonus que ça te débloque. Soit les marchands, les artistes. J'ai pas fait de temple, les temples, j'ai trouvé ça difficile la dernière fois. Le théâtre, je pense que ça peut être payant aussi, le théâtre, parce qu'au final, tu construis pour un rouge, un bleu, une pierre.
Et après, pour une pierre, ben, t'obtiens un trader. Pour une pierre, t'obtiens une discipline, un truc. Ça, ça te coûte qu'une pierre, quoi. À chaque fois. Donc, l'investissement n'est pas énorme et t'as une représentation. Si t'arrives à le faire pour un, en fait. Je pense qu'en fonction de la première carte chemin que tu chopes, il faut être capable de, d'orienter le, les bâtiments que tu vas faire pour les maxer et dès le tour 1, aller chercher le, les premiers bonus, quoi. Moi, j'ai tendance à me focaliser sur les bonus de la case et pas les bonus des bâtiments que ça te débloque. Là, tu, les théâtres, si tu as un bonus par année, il faut, faut choper les 6, sinon toi, c'est dommage, quoi. Donc, le théâtre, c'est, t'as juste à mettre un pion dans, le, dans les civils et ça te coûte que... Enfin, pas grand-chose. J'aime bien, mais enfin, je regrette vraiment ce manque d'interaction avec l'autre joueur, quoi. Et... Oui, tu joues la même façon, que tu sois un... Un 10, 20... Ou... Mais il a un goût de reviens-y quand même. Il a un goût de punaise, j'ai fait une erreur là, ou j'ai une ressource que j'ai pas utilisée. C'est vraiment très cool avec les ressources qu'on te file d'aller jouer. Ah, non, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Ouais, j'avais envie de refaire et on refera encore. Hein, parce que... On va le faire deux fois de suite pour pas non plus fouler les gens. Mais j'ai bien aimé. Allure. À quoi qu'on joue, soit on rejoue un truc, soit je suis pas sûr d'avoir des découvertes sous la main. Moi je ferais bien, je sais pas. Bon, j'allais dire Forêt Mix, donc ça, on y joue beaucoup. Ah, mais Forêt Mix, c'est bien quand même. Est-ce que j'avais vu des trucs. Non, nouveau. On pourrait jouer à Perfect Words que t'as pas joué pour voir si on se comprend. Perfect Words. Mais qui est en anglais. Ah, c'est complexe en anglais quand même, je me vois. On peut se refaire un Oasis. Qu'on a vu hier là. Oasis New Hope. Ok. Pour voir si on est si on est un peu meilleur. Gagné hier. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut jouer avec nous à Oasis New Hope? Est-ce qu'il y a l'interaction à plus que deux? Oasis New Hope. Oh. Donc c'est un jeu en bêta. Ok. Oui, il est en bêta. Gestion de main. Ok. Je ne connais pas. C'est un jeu où il faut placer des cartes. Donc on démarre à 13, on est dans une ville, il faut atteindre la nouvelle oasis qui est la carte numéro 0. Et donc il faut placer les cartes dans l'ordre de 13 à 0. Donc tu as une main carte, il y a une rivière qui s'appelle les ruines. Et à ton tour de jeu, tu vas pouvoir faire soit voyager, c'est-à-dire poser des cartes. Tant que tu sautes pas de numéro, tu peux poser autant de cartes que tu veux. C'est-à-dire que ça démarre à 13, si tu as la 12, 11, 19 dans la main, ben, tu peux poser des cartes. Tant qu'il n'y a pas une main sur la carte. S'il y a une main, tu es obligé de t'arrêter. Et après, tu peux aussi recruter des compagnons qui sont dans une autre rivière. Ou alors, t'améliorer ton équipement, c'est récupérer une carte équipement parmi la boussole, la carte et le bouclier. Et tu peux après piller, donc tu peux aller piocher deux cartes chez l'adversaire et lui en prendre une, sauf si tu révèles un bouclier chez lui, auquel cas ben, tu peux pas piller. Jouer tes compagnons pour leur effet qui ont des icônes qui vont te permettre ça encore de, ben, de voyager, de recruter, de piller, c'est les mêmes actions qui vont revenir. Quand tu as fait tout ça, tu as la possibilité, si tu as des compagnons, de les envoyer en mission pour redéclencher encore ces mêmes actions. Donc en gros, il y a 5 actions, c'est voyager, c'est poser une carte, piller, c'est prendre deux cartes chez l'adversaire et lui en prendre une et lui en rendre une. S'améliorer, c'est prendre un objet. Recruter, c'est prendre un compagnon. Et recycler, c'est prendre une seule carte parmi la défausse. Et il y a explorer, c'est prendre deux cartes parmi la pioche. Voilà. Il y a 5-6 actions, tu les goupilles un peu dans tous les sens. C'est une course, c'est le premier qui arrive à zéro. Enfin, qui pose sa carte zéro, qui gagne. Et si vous voulez, on vous montre une petite partie avec l'Ubli. Et puis si ça vous chauffe, on refait une partie à plus que deux. Ou si ça vous fait pas peur de découvrir 2 secondes. Ah, téléphone, décidément. Je vais vous regarder. Les compagnons slash matériel permettent de manipuler les numéros des cartes. Alors, les compagnons... Est-ce que j'ai un tutoriel ou pas? Non, j'ai pas le tutoriel. Les compagnons permettent de redéclencher des effets, les mêmes actions, en fait. Est-ce que je peux regarder celle-là ou pas? Ouais, je regarde pas. Voilà, par exemple, si je prends ici, je n'ai pas le détail des cartes, mais en gros, ils ont les actions là-haut, quoi. Ici, voilà. Donc là, c'est recycler, recycler. Là, c'est piller et s'améliorer. Donc, s'améliorer, c'est prendre une des trois cartes ici, c'est tout le temps les mêmes.
Piller, tu vas piller chez l'adversaire. Recycler, tu vas prendre une parmi la défausse. Fait par la défausse, les ruines. Et ici, c'est recycler. Et là, je sais plus si c'est voyager ou explorer. Je pense que c'est voyager, c'est-à-dire poser une carte. Parce que explorer, c'est cette icône-là. Mais grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'actions. Hein. Donc, tu vois, là, par exemple, ils ont démarré à 13. Mais tu peux pas manipuler le numéro en tant que tel. Par contre, tu peux quand même voir la main de l'adversaire, lui voler une carte. Tu sais ce que tu as dans ta main, tu vois ce qu'il y a ici. Là, typiquement, ici, il a pas de zéro, quoi. Donc, ici, il y a un oasis. Tu dois piocher un masque pour trouver les menus. Ouais, explorer, ça fait partie des actions qu'il faut faire pour aller avoir les bons numéros. Et ici, là, il est en 13. Il a 9, 8, 2, 1 dans sa main. Donc, déjà, il pourra pas poser tant qu'il n'a pas 12, quoi. Et des 12, il n'y en a pas dans le recycle. Donc, soit il va les piocher, soit tu vas voir chez l'adversaire. Tu pilles et tu vas voir ce qu'il a. C'est pas trop mal. Hein. Moi, c'est mieux que ce qu'on m'avait vendu. Voilà, on me l'avait vendu vraiment pas très bien. Et finalement, quand on a joué hier, on a quand même bien apprécié. On reçoit des trucs aujourd'hui, toi. C'est une petite multiprise. C'est une multiprise, ça. Et pour mettre tout ça, pour brancher tout notre bazar. Allez. Une petite multiprise. Ça paraît sec comme mécanique. Un petit peu, oui. Après, ça reste un jeu épuré. Hein. J'étais ici. Voilà. Et regarde, hop. Allez, je lance la partie. Une vidéo opening de multiprise. Ouais, on voulait qu'on fasse un ASMR opening de la multiprise. C'est ça. Multiprise qui est plus grande que moi. Attends, ouais, faut pas donner. Ouais, pas attendre, il y a le nom et l'adresse. Mince, vous avez pas vu. Ça sera coupé au montage. Ou pas. J'avais pas vu. C'est pas grave. Le bien de choisir un compagnon. Parce qu'au début, il faut choisir un compagnon. On peut prendre soit un des quatre ici visibles, soit on prend la rivière. Donc là, ici, par exemple, on a Daddy. Qui nous permet de recycler, voyager. Voilà. Recycler, voyager, recycler, recycler. Double piller. Et à piller, upgrader. Moi, je vais prendre. Et je vais jouer autrement. Je vais jouer recyclage. Oh non, mais c'était ma technique. Hop. Donc je peux explorer, équiper, recycler, voyager ou recruter. Donc explorer, je vais cliquer ici et je vais pouvoir piocher deux cartes. Recycler, je vais choisir celle que je veux ici. Voyager, je vais poser des cartes de ma main. Ou recruter, je vais jouer un compagnon. Et c'est ce que je vais faire. Je vais jouer ce compagnon. Je vais le recruter pour pouvoir jouer deux fois l'action recyclée. Et je vais prendre... Il y a 3 fois le 12, donc je vais en prendre un déjà. Et on va prendre le... quelle carte ? Peut-être le 10 comme ça. Voilà, j'ai fait mon action. Ça l'oublie. Très content. Tant mieux. Et on démarre forcément avec un bouclier dans la main, je crois, hein, de base. Je ne dis pas de bêtises. Recycler, voyager. C'est bien ça. Prends une carte et en plus tu vas pouvoir faire l'action de voyager. Donc là, je sais pas en quel. Hop, elle a un 12. Est-ce qu'elle a un 11? Non, elle n'avait pas de 11. Et on peut pas avoir plus de 8 cartes en main. Je l'ai pas dit ça. Je vais jouer mon 12, je vais voyager. Et on peut envoyer en mission les compagnons. Là, ils sont bons. Parce que j'ai un intérêt à le faire. Oui, je vais le faire, comme ça je peux faire son action. Recycler. On va récupérer ça. Quand on les envoie, on refait l'action qui est en haut là. Donc c'est l'action soit recycler, soit explorer, soit piller, etc. Et on peut envoyer plusieurs compagnons en expédition s'ils ont la même couleur. Disponible ça. Je vais jouer ça. Je vais recruter. Explorer, explorer. Ah, j'aurais pu prendre un explorateur. J'hésite. Ah, toi aussi, tu hésites.
Moi, je trouve ça malin parce qu'il y a quand même le fait que... Là, on n'est que deux encore, donc les stratégies sont pas ultra violentes, mais... Quand tu peux avoir des gens qui vont prendre beaucoup de compagnons qui vont piller, tu vas t'orienter peut-être pour des boucliers, pour te protéger, enfin... C'est quand même assez rigolo, quoi. C'est pas inintéressant comme jeu. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que les cartes, vu qu'elles vont de 13 à 0, ils fassent l'effort de faire un panorama. Je trouve ça dommage qu'elle se suive pas pour former vraiment le voyage jusqu'à la nouvelle oasis, alors que c'est clairement les... Enfin, c'était faisable en graphisme, je pense. Ouais. Ah, je me suis dégoûté, j'ai fait une action pour rien. Tu gagnes, je pense, grâce à ça, non? Ouais. Ah, mais j'ai pas compris ce que j'ai fait comme action, alors. Je recrute. Je vais pouvoir recycler... Ah, quand tu le missionnes, ça ne fait que je pense, que l'action du haut. Je peux équiper. Je vais prendre... Ah, je dois défausser une carte. J'avais oublié que je défausse une carte. Dommage. Bien, on va défausser. On va défausser ça. La boussole permet de remplacer n'importe quelle carte. Mmh. Là, elle a joué une carte 11 avec une main, donc elle est obligée de s'arrêter. Par contre, elle gagne l'action de recruter. C'est comme si on allait sur un petit avant-poste. Là, c'est Rock City, c'est une ville. Vous êtes obligé de vous arrêter, mais vous pouvez recruter. Recruter, c'est mettre quelqu'un dans ma main ou c'est jouer un compagnon de ma main? Je crois que c'est prendre quelqu'un dans ta main. Play one companion card from your hand or take one for the lair. From the lair. Je repère. Ok, bah je vais faire ça, désolé, hein. Piller. Ah, tu vas choper les boucliers, hein? Sûrement. Eh ben non. Donc là, elle a pillé, elle a pris deux cartes, le 0 ou le 2, donc elle choisit ce qu'elle veut. Tristesse. Voilà. Donc là, j'ai pas le 0 déjà. L'air égale rivière. Ouais, secret l'air, c'est génial, c'est un repère, hein, un repère secret, non? L'air. Le repère du méchant. Mm. Mais en l'occurrence, oui, c'est la rivière des compagnons. Perdu deux cartes là, hein. Ouais. C'est un peu pas très sympa, je râle pas trop parce que bon. Il y a des mondes. Parce qu'il y a du monde, mais. Ah, en plus tu m'as enlevé. Enlevé quoi? Bon, c'est pas grave. Non, j'ai rien dit. Me dis pas que t'avais c'est bon, frère, jusqu'au 7 quand même. J'ai rien dit. On va faire ça, je pense. Hein. Mais si je voyage, je peux rien faire d'autre. Ah bah oui, si tu voyages. Ah, enfin, tu peux envoyer une mission. Cycler. Récupérer. 7 qui m'a été volé. C'est un nid d'animal, je crois. Et plutôt volant. Dragon Slayer. Ouais. Les ça me plaît bien. Ouais. Effectivement, la tanière. Dedans. Tanière, c'est pas ça, tanière. Plutôt que repère. Je crois que c'est tanière, le bon mot. Effectivement. Le nid d'animal. Plutôt volant. Ok. En anglais. Stream éducatif. Je devrais le rajouter. Comique, éducatif, karaoké. Ça va être les nouveaux tags. Après, j'aimerais bien le tester à plus que deux, je vous avoue. Oui. Là, à deux, c'est un peu à toi, moi. Hein. C'est clair que... Toi, tiens, bouclier, ah, bouclier. C'est les lâches qui jouent avec. Boomerang, boomerang. C'est les lâches qui jouent avec des boucliers. Les lâches, oh. Les travaux d'intérieur de salle de bain. C'est bon ça. Pillez Lublinien. Bim. Oh non, oh, je viens d'aller. Oh la boussole. Petite boussole. Ouh. Mais fou. Allons. Je vais faire ça. T'es insupportable. Moi, je suis insupportable. Mm. Non, t'as pas honte, toi. Non. Non, mais sérieux. Je me dépose de deux cartes, really? Après, je pense pas qu'on le joue, entre guillemets, ah, comme il faut, 3. Le jeu. La carte, elle coûte 3. Oh, damn. Et tu payes un de moins. Ouais, mais je me dépose de deux. Tu payes un de moins. Rien de moins qu'elle a dit. Allez, ma boussole.
venir te piller. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je préfère Puggy Mug. Oh non, pas quand même. Qui se rappelle de Puggy Mug d'ailleurs? C'est vrai que ça, la partie me revient maintenant. Puggy Mug. Avec Benny, un gros clou. Ténérette, et je sais pas s'il y avait pas Archon. Il me semble qu'on était 5. Oh, je vais aller explorer un peu. Mais je pense qu'en fait, t'es quand même censé comment dire, accumuler tes compagnons pour vraiment déclencher tes compagnons. Je pille le blignard. Ouais, il va te faire voir. Oh, oh, les gros mots, ça suffit. Oh, ouais, bah là, tu me saoules. Ça suffit quand même. T'es laissé ton oasis. Je te pille. Et les designs des chiens. Ah ouais? Bon, c'est... Voilà. T'as déjà une oasis, donc tu me laisses ma map. S'il te plaît. Oh, le totem, il est chouette, là. Voilà. Merci. Il est spécial. Vous pouvez voyager. 1, 2, 3, allez, je voyage, parce que tout seul, personne qui pioche. Ah, ou passer, ah ben, je vais voyager. Oh, pas se mentir. Allez, tu voyageons. Il faudra avancer. Oui, ça va. Boussole. T'as volé la boussole voisin. Ça t'a pas trop fatigué d'aller l'acheter? Le 8. On s'arrête et on recrute. On recrute un recycleur. Je crois que je préfère Puggy Mug, ça c'est quand même violent quoi. Allez, ça va venir piller encore une fois, mais va-t'en. Bah oui. J'espère que j'ai chopé le bouclier. Oh bah qui c'est que je pille? Pardon, je m'en. Espèce de lâche. Non, je me protège. Allez, confirme. Non, tu m'énerves. Les cartes pourraient être jolies, mais on ne fait rien avec, ou peu de choses. D'accord. Ah, je vois que ce jeu fait pas l'unanimité, hein. J'avoue que... Moi, il me laisse pas une sensation de fou. Ah ouais. C'est froid. Non, c'est dans le plus désert. Mais... Moi, je crois qu'il y a plus d'interactions que ce type Super Mooney, hein, quand même. Bon, de stratégie, c'est sûr. Voilà, t'as perdu ou t'as perdu, quoi. C'est... T'as perdu. T'as perdu ou t'as perdu. Voilà. C'est fini, déroule ta main, c'est fini. C'est pas du tout fini. Après 4 cartes, tu dois t'en manquer une. Mais qu'est-ce que tu t'énerves là, comme ça? Elle s'énerve toute seule. Je rappelle que c'est toi qui as gagné la dernière. Ah mais c'est pour ça que tu voulais jouer. Et que t'as gagné déjà au mur d'Adrien. C'est ma faute, hein. C'est oh, pas ma faute. T'as déjà pris la carte que je voulais, mais t'es vraiment pénible. Ah oui, d'accord. Tu es pénible. C'est pénible, et moi je meurs pas dans Diablo encore. Ah ça, on va l'entendre ah, longtemps. Ah, tu pars un pauvre ours, ça, la misère. recycler. Bon, tu la trouves ton oasis avec toutes tes boussoles là? On joue un petit jeu et puis... Oh le Kuba. Ah ouais non mais c'est drôle quand même. C'est quand même drôle. C'est quoi explorer? C'est prendre deux cartes à la pioche. Hop. On n'y a pas assez joué. Explorer. Oh là. Lui il mort juste parce que le livreur a sonné pour la livrer à la multiplie. Même pas. Si on peut s'équiper. Je veux ça. Je vais défoncer ça et ça. Destiné. On était tous les deux destinés. Bibibili bim. Bibili bim. Oui. Oasis, chat perché, j'ai gagné. On la connaît l'histoire. Oh voilà, là, c'était dur, hein. Oh là là. J'ai trouvé l'oasis. 14-8, la branlée. Première victoire. J'adore ce jeu.
trop de fun dans ce jeu. Oh, le pauvre jeu qui prend cher. Mais je sais pas, moi j'aime bien. Ah, c'est pas... Je sais pas, c'est pas extraordinaire, mais... Ça marche bien quand même. Il y a une rivière, il y a de la pioche, il y a du... On vient chafouiner les adversaires. Mais je sais pas, je lui donnerais peut-être plus de chance autour d'une table avec des gens qui échangent, qui se disputent, mais c'est tout. Merci Galion. Heureusement qu'il y a des gens de sympas. GG. Challenger, c'est plus attirant. Ah oui, Challenger, c'est bien mieux, ça, je suis d'accord. À une époque, il y a quelqu'un qui jouait beaucoup à Challengers, mais... Est-ce qu'on peut toujours comparer comme ça tout le temps Bah oui. Les jeux, bah non, parce que... Allez, sinon... Si t'as Challenger dans ta bibliothèque, tu vas pas dire « Ah, je vais acheter ce jeu ». Ah mais tu préfères jouer à Oasis qu'à After Us, tu vois. Ah oui, non, c'est raison. Hein. Perso, c'est plus court, c'est plus dynamique qu'un After Us. Hein. Non, mais c'est pour dire la comparaison. Ah bah c'est, je préfère c'est... jouer au mur d'Adrien que de jouer... que se couper un bras. Mais non, mais... Non, là, tu joues à fucking DM, tu vois. Je peux pas être sérieux avec vous. Est-ce que je joue à 2 à Oasis New Hope ou est-ce que je joue à 7 bon, à une Oasis partie de Terraform Mars n'a pas marché. C'est pas grave, j'y jouerai tout seul dans mon coin. After Us, c'est dur parce qu'il te force à ne pas faire des synergies. Ouais, moi, pareil, c'est comme le mur d'Adrien. On pourrait jouer à 25 autour de la table sans se parler, ça marche pareil, quoi. C'est bon, t'as fini. Qu'est-ce qu'on se fait en une petite forêt mixte que ça fait longtemps? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer à planter des arbres? Ou à moins que quelqu'un veuille jouer à autre chose. Ou autre chose. Si vous voulez voir autre chose, vous le dites aussi, sinon. Effectivement. On peut. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a un jeu que vous voulez voir qu'on n'aurait pas fait par hasard sur la chaîne? Pas sur la chaîne, oui. Qu'on n'aurait pas fait... Je ne connais pas non plus. Ah ouais, ça fait un moment que t'es pas venu alors Gaëlian, parce que pour Shuffle, on y joue régulièrement. Donc il heurte les joueurs qui ont le syndrome du bon élève en faisant des choix. Van Helsing. Ah, c'est en deux jours, on l'a fait hier, Van Helsing. On peut refaire une partie, hein, si vous mais voulez. Pas mais pas mauvais. C'est un deux joueurs, c'est un pur deux joueurs, Van Helsing. Si vous voulez, on peut vous le montrer. On l'a fait hier et je vous laisse deviner qui a gagné. C'est quelqu'un qui est mort dans Diablo 4. C'est Dracula qui a gagné. Ah pour non. Voir Lubli gagner, allez. C'est Van Helsing qui a gagné, je m'en rappelle plus. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on fasse une game request. Tu sais, comme les song requests sur les chaînes de musique. Avec mais... les points de chaîne. Avec les points de chaîne, tu... Voilà. Et que les gens pourraient nous forcer à jouer à des trucs horribles. Genre à Double Connect en boucle. Ce serait drôle. Malheureusement, mes horaires de conducteur de tram, c'est difficile de me libérer, ouais, je crois. Attention, bah oui. Attends, un backstab est vite arrivé, ouais, c'est ça. Bon. Alors, je suis qui aujourd'hui? Oh, je suis encore Dracula, JPP, à tout jaune. Alors, il y en a un qui est Dracula et l'autre qui est Van Helsing. Donc Van Helsing, il va essayer de faire en sorte que ses villages soient plus forts pour se défendre du méchant Dracula qui veut mordre quelqu'un. Donc on a des colonnes de cartes. Et il attend que je bug et que je fasse des signes. Ah, langage des signes, j'attends. Ah, on a 5 cartes qui sont chacune face à 5 zones du plateau. Donc la première, nos premières cartes s'opposent sur le district 1, les deuxièmes cartes district 2, etc. jusqu'au district 5. On a 5 tours pour que soit Van Helsing, à la fin des tours, les villageois se sont défendus et il n'y a pas tout un district de mordu, de contaminé, soit Dracula a réussi à mordre 4 ou 5 personnes, 4, elles sont 4, c'est ça ? 4 personnes d'un même district, et donc a gagné la partie puisqu'il a contaminé tout un quartier. Donc on va jouer tour à tour, et à la fin de la manche, on compare les valeurs de chaque colonne. Et donc la première cartes, colonne, c'est le y a la tour, qui est la valeur qui est la plus à droite pour nous. Oui, je fais des signes parce que je réfléchis droite ou gauche. Et ensuite... Tu sais que ça change la caméra. Et oui, bah, celui-là il marche bien. Voilà, et la tour est d'un côté, et ensuite on a les autres couleurs qui s'opposent comme dans une bataille. Donc là j'ai joué une première carte, hein. Donc j'ai défaussé ce 3 violet qui, comme pouvoir, me permet de révéler une des cartes de l'oubli. Donc là, sur le premier district, ça a révélé un 2 violet. Donc là, normalement, vu l'ordre des couleurs, ma carte l'emporte.
le 6 vert est plus fort que le 2 violet actuellement. J'étais hôtesse de l'air d'un Sky Team, mais bon, le pilote nous a craché. Ah, mais c'est pour ça qu'on a perdu, parce qu'il faut un pilote, un copilote. Donc, déjà, si tu joues hôtesse de l'air d'un Sky Team, bon, déjà, on part avec un mec de moins. C'est quoi? C'est les dés roses? Ah non, pardon. C'est pour décorer. Donc, en fait, quand on est entre une rivière de 5 cartes qui sont ou face visible ou face cachée pour l'autre, dans la vraie vie, c'est sur un porte-carte. Soit c'est toi qui vois les cartes, soit l'opposant les voit et toi, tu es censé te rappeler ce que tu as montré. Et en fait, la carte qu'on a qui se met sur le côté, oui, je fais des signes, simule une carte qu'on vient de piocher. Et donc, la carte qu'on vient de piocher, soit on la défausse elle-même pour son pouvoir, soit on la met à la place d'une carte de nos districts et on applique le pouvoir de la carte qu'on va défausser. C'est très clair. C'est très clair. Ladies and gentlemen, your attention please. On va s'écraser. Welcome on board. Donc là, je défausse en deux violets. Le deux violets permet de révéler la carte qui est sur le dessus du plaqué. Et comme c'est au tour d'Armiquan de jouer, je sais qu'il va jouer avec le 3 jaune qui était sur le paquet. Parfait, c'est un atout. C'est un atout, pour le moment. C'est génial. C'est génial. C'est formidable. Non, je peux pas faire donc, ça. Du coup, t'as combien de petits cœurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 12. 6, 7. Moi, je l'ai compté 11. C'est bien, je vais faire ça. Je vais révéler la carte du dessus du paquet, comme ça je sais avec quoi tu joues. Un 6 jaune. Voilà, c'est parfait, c'est un atout. Et pour répondre aussi à Ténérette, je suis assez d'accord avec toi, on l'a découvert hier, je l'ai trouvé bien plus profond que ce que je pensais, ouais. Je vais pas faire le comparatif avec Jekyll et Hyde qu'on avait testé, qui est le dernier deux joueurs un peu comme ça qu'on avait testé, que j'avais pas trop aimé. Et là, j'ai bien aimé. Dracula doit jouer sur la position et Helsing sur la durée, ouais. Par contre, dès que t'as commencé à mordre, ça donne quand même une indication de là où tu vas essayer de forcer. Mr. Jack. Non, Jekyll et Hyde, je crois. C'est Jekyll versus Hyde. T'as un qui est Jekyll, l'autre qui est Hyde, et t'as des potions, et je ne me rappelle plus exactement. Oh, bien joué. Super, ça t'amuse de faire ça. Et donc, à partir du moment où il y a 5 cartes dans la défausse, on peut décider de mettre fin à la partie. Donc c'est-à-dire que nous, on va pouvoir défausser un 8 dans nos cartes, alors que jusqu'au début, on ne peut pas le faire. Et quand on défausse un 8, après le tour de l'autre, il a un dernier tour à jouer, et c'est fini, et on compare nos cartes. 6, ouais, il a raison, c'est 6 cartes. 6, peut-être. C'est où? Quand je survole. Il n'y a pas au moins 6 cartes. Effectivement. Tu arrêtes de regarder mon jeu, bah sinon on joue une bataille ouverte. Ah. Et les cartes, elles vont de 1 à 8 dans chaque couleur. Quand tu triches, tu auras mon jeu. Non, même pas. Ouais. J'en vois quasiment la moitié. Toi, tu triches, tu vois 3 cartes sur les 6 que j'ai. Jeu de théorie d'erreur, ouais, c'est Théo. Et Maxime Rambourg. Si je fais ça. Ouais, là, graphiquement, alors vous en pensez quoi de celui-là? Parce qu'on a critiqué tout à l'heure le graphisme de l'autre. Mais celui-là. Quoi dire? Moi, hier, j'ai dit que j'ai. Oh, ça change là tout, c'est pas beau! Pardon, excuse-moi. C'est pas très beau ce qui vient de se passer là. Hein. Eh oui! Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est. Il n'y a pas eu besoin de pouvoirs spéciaux pour faire en sorte que ça marche comme il faut. Après, alors, moi, je me dis, c'est... moi, je joue pas dans un jeu en. Comment dire? Comment on pourrait jouer aux échecs en connaissant les combinaisons possibles et en se disant, putain, il y a ces cartes-là, je les ai déjà vues passer, donc là, on a des fois aussi d'ailleurs telle carte, et du coup, peut-être que j'aurai une chance de m'en sortir parce que telle carte va sortir. C'est pas du tout ma façon de jouer. Moi, je pioche et je regarde ce que je peux faire avec ce que je pioche. Et j'ai un peu peur, vu qu'il y a que quand même 30 cartes. Il y a des gens qui sont très forts pour. Oh, c'est pas beau, mais c'est pas beau. Il n'est pas trop attirant du premier coup d'œil de Galion. Moi j'aime bien la DA aussi.
J'avoue qu'il y a, un petit côté vraiment sympa sur la DA. Mais c'est personnel, après c'est hyper subjectif, hein, le graphisme d'un jeu. Bon, et des fois, il y a des gens qui s'entendent sur dire qu'un tel jeu est vraiment très beau ou très, très moche, mais. Ah, c'est petit. J'ai oublié de dire. Bon, attends, vas-y, c'est pas grave. Un pour long ? Ouais. Ah. Allô ? Bon, mais on va papoter. Un à pour long. Et bonjour. Ça va, les mots ? Elle est incroyablement overbookée, cette dame. On reçoit des multiprises, des colis. On ne peut pas s'en sortir. Lou Rivière et Maxime Rambourg. De Van Helsing. Les coups et les couleurs, ça ne se dispute pas. C'est bien parti là. Alors si on analyse, vu qu'elle n'est pas là. Donc violet l'emporte sur tout le reste. Donc on a deux cartes violettes. Donc ici le 8 l'emporte sur le jaune, c'est sûr. Le 5. Il reste 6 et 7 ici, je ne sais pas ce qu'elle a, donc je ne suis pas sûr de gagner, mais j'ai quand même une bonne option. Ici, je perds. Donc en 2, je perds. Le 8 rouge, il est tout en bas, mais c'est la valeur le plus fort du 8. Donc là, j'ai quand même de grandes chances de perdre, mais ceci dit, je peux avoir beaucoup de cartes rouges chez elle. Donc si elle a un rouge ici, ben, je gagne, sinon j'ai perdu. Et le 8 jaune, je ne sais pas. En vrai, j'ai beaucoup d'inconnus. En fait, je pense que là, sur cette partie-là, c'est pas terrible. Hein. Je pense que je contamine 2, mais je pense qu'il y a moyen que je perde 3 points de vie. Et le problème des 8, c'est que c'est une valeur forte, mais ça ne te sert que à mettre fin à la manche plus tôt. Les cartes qui sont fortes, voilà, c'est la 4 et les 6 qui te permettent de jouer sur la position des cartes. Donc là, en gros, il faudrait que je joue encore un tour avec mon 4. Pour échanger le 8 et le 4 pour remporter celui-là aussi. Et espérer avoir ces 3-là. Pour voir ce qu'il y a ici. Mais ouais, c'est quand même dur de savoir. On ne doit pas jouer le 8 rouge. On pourrait jouer le 8 rouge, mais après, les 8, comme je te dis, en fait, les 8, tu peux les défausser que s'il y a au moins 6 cartes. Et ça met fin immédiatement à la manche. Donc, ça empêche l'adversaire de jouer un tour de plus. Donc là, comme il y a déjà 7 cartes, c'est pas très intéressant d'utiliser le pouvoir du 8. Là, en l'état, j'aurais plutôt tendance à utiliser le 4 jaune pour ramener le 8 devant le 6. Pour être sûr de le gagner, celui-là. Mon avis, hein, mais bon. C'est pas forcément évident. Bon. J'espère qu'elle revienne dans pas trop trop longtemps. Que je peux faire, est-ce que je peux encore aller sur ah bah encore le Get on Board qu'on a vu hier, hein. Finalement c'est pas mal aussi, moi j'ai bien aimé Get on Board, bien régalé, j'ai préféré par rapport à Next Station Tokyo ou London, pas trop mal. Le 4 de Star aussi, je sais pas si vous avez testé finalement. Hit est pas mal avec les modules. Ah ouais, mais même sans module, moi je me suis beaucoup amusé sur Hit. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment cool. Hein. Première partie. Et est-ce qu'on peut choisir? Ouais, voilà. Là, on peut choisir les circuits. Italie, Grande-Bretagne, France. 1, 2, 3, 4, 4 circuits, c'est quand même pas mal. Hein. Et si je mets standard, on a quand même que 4. Voilà, module, atelier, amélioration de base, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. J'ai pas testé tout cela dessus. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. On a fait quand même, je sais pas, 4-5 parties, mais de base, hein, de la version de base. Next Station, beaucoup mieux, car on joue en parallèle. C'est vrai que dans Get On Board, le seul problème, c'est cette histoire de séquence, ouais, qui fait que des fois, tu joues pas. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai trouvé les objectifs beaucoup plus clairs que Next Station sur le plateau. J'ai du mal à me repérer dans Next Station, savoir ce qu'il faut faire. Les modules ajoutent du draft de 3 cartes. Il faudra qu'on le teste à l'occasion. Franchement.
Franchement, la règle du mur d'Adrien, je peux la fermer. Il y a ces deux-là que j'aimerais tester, mais bon. On est en alpha, on n'a pas trop le temps de les tester avec le bli encore pour l'instant. Terranova et Planet Unknown. Et en bêta, je crois qu'on n'est pas trop trop mal. Il y a diversité, je n'ai pas encore testé ça. Pas trop ce que c'est comme jeu ça. Choisissez-vous de développer vos cités, contrer celles de votre adversaire ou simplement... Ah c'est pareil, c'est deux joueurs aussi ça. Vous pouvez faire les trois en même temps. Les règles simples rendent le jeu très accessible, mais devenir un expert demandera réflexion et stratégie. Ok. Il n'y a que des règles aussi. Diversité. Fabrique à pion. C'est français ça. Ça, c'est made... ça sent le made in France ça. Vous faites quoi en dehors de Twitch? Si je peux être curieux. Bah oui, tu peux être curieux, bien sûr. Et bien, en dehors de Twitch, du YouTube, de l'Instagram, du Facebook. Non, moi, je suis en reconversion professionnelle depuis un an. Donc là, je dédie entièrement mon temps à l'activité Twitch, YouTube et compagnie. Je ne fais que ça de mes journées. On développe à fond, à fond, à fond. On a démarré en juin et l'objectif... à terme et d'arriver à faire de dégager au moins un mi-temps pour moi quoi. En termes de revenus. Bah non, bon papote. Hein. T'as gagné? Bah c'est à toi de jouer donc. Ah oui, pardon. Alors, moi j'y suis plus, là ça y est. Pas de soucis. La vraie vie. On se faisait quand même la réflexion que t'étais mieux parti que moi. Ah. Okidoki, bon courage, trois petits pas. Bah oui, bah oui. On n'a pas choisi la route la plus facile, mais on essaie de faire la route qui nous plaît le mieux. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans l'industrie. Voilà. envie de renouveau. Allez, je tente parce que de toute façon, sinon c'est perdu. Et on va tenter des singes. 8 avec ce 3. Après, il n'y a pas de raison, tout est possible. Hein. Aïe 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 aïe, donc qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait qu'on fait? Et là, c'est vraiment pas très cool ce que tu viens de me faire. Not cool. Not cool à toi, non? Mais mettre à la manche. Et il y a qu'un 8 en plus qui peut déclencher la fin? Non. Il y a aussi une autre condition de fin, je crois. Ouais, j'ai l'impression que je perds partout, donc... J'ai enlevé un 6 pour faire ça. Ouais, je vais quand même jouer mon. Quand le deck est vide, tu peux jouer encore un moment. Hein. Une de vos cartes. Alors, on perd. Moi, je peux peut-être enlever ça et mettre ça à la place. Ouais, je peux faire ça. Fin de la manche. J'ai défaussé un 8. Je gagne. Je gagne. Oh, je gagne. Ah, attends, putain, c'est chiant. La valeur compte quand même. Ah bon? Ah, ah ouais. Ouais, faudrait attends, faire. Attends. Stop. Là, je suis pas d'accord. Bah, ouais, j'expliquerai pourquoi hier on a. First compare the card of Fort Trumps. Donc par rapport à la tue. À la toux. Ouais. Ok. Si les deux sont de la toux, la plus haute gagne. Ok. Okay. Si il n'y en a aucune de la toux, on compare que la valeur. Ah, ok. Et si elles sont à égalité. C'est la couleur. C'est la couleur. Ça change tout. Parfait. Si je gagne, ça sera grâce à ça. Tout violet. À tout violet. Ah bah là, je suis mal. Hein. Donc c'est les valeurs en premier et les couleurs pour le départage. C'est hyper important du coup.
J'ai fait 22 ans de bus pour passer depuis 2 ans au tram, ça fait du bien le changement. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, comme je dis souvent, c'est vraiment au bout d'un moment, quand, vraiment, quand tu prends plus de plaisir à te lever le matin pour aller au boulot, c'est compliqué, quoi. Ça devient vraiment complexe au bout d'un moment. Mm. Quand c'est, ouais, quand t'en es vraiment à... Il va reculant tous les matins, tu n'arrives pas à expliquer à tes enfants ce que tu fais au travail et pourquoi tu y vas, si ce n'est juste gagner de l'argent. Enfin, c'est complexe. Et puis voilà, on arrive aux alentours des 40 ans, donc forcément tu fais un peu le bilan, quoi. Donc ça suffit. Tu fais le bilan et tu réfléchis, et puis tu te dis, bah on n'a qu'une vie, donc... soit tu tentes les trucs maintenant et tu essaies de te faire plaisir, soit tu regrettes un peu après des fois. Donc. On a pris le parti du changement. L'important, c'est les valeurs. Je me suis fait avoir en pensant que les couleurs étaient supérieures aux valeurs. Ouais, on pensait que c'était toujours les couleurs, mais non. D'accord. Là, tout l'emporte partout. Sinon, on compare les valeurs. Et sinon, c'est les valeurs. Et si c'est égalité, c'est la couleur. La couleur des partages, les égalités de valeurs. Et ici, on fait quoi? On va faire ça, je pense. Hein. Et je voudrais voir ce qui se cache là. Ok. Ok. Je joue deux fois. Ça rejoue. Mmh. Numéro 5 rejoue. Impasse, perd et manque. L'apprenti Dracula. J'ai ça en tête du coup en jouant à ce jeu. Un sondal de Ber. Collaboration sûrement avec Dionysos, j'imagine, l'apprenti Dracula. Ouh, je joue trois fois. Eh ben vas-y, joue 10 fois, bien sûr, fais-toi plaisir. Après tu peux jouer 10 fois des cartes mauvaises, hein. C'est pas faux. Ouais. Ça sera quoi? Fais gaffe aux ours. Beware the bear. Ah mais c'est pas beau. Tiens. Mais tu vois déjà tout mon jeu? Non, je vois qu'une carte. Ah. Le 2 okay. Violet, je te le dis. Normalement, il y a un œil dessus. Oui, mais en fait, toutes les autres, elles ont un œil parce que je trouve la carte que je veux te faire révéler et je comprenais pas pourquoi je pouvais pas te révéler. Est-ce que tu peux redonner le 2? Est-ce que tu peux rendre visible quelque chose qui est déjà visible? Non, je viens d'essayer. Je veux pas cheat le game. Tiens. Oh, le 8! Comme il est énorme, le 8! Désolé, j'ai des trucs à régler. Inadmissible, c'est complètement inadmissible. Franchement, bah oui, je vais jouer mon tour quand même parce que là je perds un peu partout. On est petit et gentil et un peu barge aussi. Est-ce qu'on ferait pas ça? Risky business, mais pourquoi pas? Je partirais pas en jaune. J'ai changé l'atout. Ouais, mais ça j'ai. Atout croix jaune. Allez. Elle va gagner en étant à moitié FK avec un téléphone. Non, non. Atout jaune. Ah. Atout rompre. Atout, c'est la guerre. Quoi de jouer? Oh, dépêche-toi de jouer. À tout jaune, ça m'intéresse pas, hein, en vrai, mais... T'as full jaune, c'est ça? Je vois mon jeu. J'ai un violet. J'ai mis à tout jaune, c'est que j'ai du jaune, oui. J'ai full jaune, peut-être pas non. Faut pas exagérer, sachant que t'as déjà le 8 de jaune. Toi, tu joues ou tu joues pas? Tu joues ou tu joues pas? Ça, ça fait quoi? Je vois mon jeu. C'est pas ouf. Est-ce que je donne pas trop d'infos là? Je pense que si. Hein.
Dans la manche. Avec annoncé. Van Helsing est sûr de lui. Les villageois sont préparés et se sont fait avoir autour d'avant, en pensant que les couleurs étaient supérieures. Et non, c'est les valeurs. Et ce qui importe, les valeurs. Alors, premier, c'est pour moi. Deuxième, c'est pour toi. Troisième, c'est pour toi. Et les deux derniers, c'est pour moi. Oh, mais sérieux, tout jaune. Attends, c'est équilibré, c'est vachement plus équilibré qu'hier. Oh, lord. Pas ma journée, hein. Meurde et bleu. Je perds. J'avoue, t'es pas contente, hein. Je vais jouer ça. Et je vais. J'ai ça et ça. 3 districts à 2 infectés. Encore 9 points de victoire, ça va être compliqué pour Van Helsing. Ah ouais? T'arrives à l'anticiper là? Ah bah oui, il reste 3 tours, t'as 2 à faire sur 3 districts. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais ça c'est pas très très visible sur le plateau. Il y a un petit bateau qui avance ici. Donc on a la troisième manche, il reste encore 2 manches. J'avoue que c'est pas le plus visible, j'avais pas fait gaffe hier. C'est vrai qu'il reste que 2 manches. Ah, moi non plus. Tu vois, il est pas très très visible ce petit bateau. Mais on l'a vu hier. Qui gagne à la fin du bateau? Ben, je pense que si Dracula n'est pas mort, je sais pas s'il y a pas une égalité quand même en vrai. Alors, ça dit, si Dracula perd tous ses PV, Van Helsing gagne. Si Dracula tourne 4 habitants, or, s'il a parti atteint la fin du 5e rang, Dracula gagne. Ah, qui tourne. Coucou. Comment ça va? Le modo de l'ombre qui sort de la nuit, qui surgit hors de la nuit. Qui surgit un mardi. Comment il va bien le Ketouran? On m'appelle le Zoro du stream. Dracula? Oui. On verra. Bon, comment il va le Zoro du stream? Ça va et toi? Mais nous, ça va bien. Lubli est surbookée et elle est morte dans Diablo Hardcore. Fait tuer par un ours. Le clip est sur Discord, bien évidemment. Allez regarder ça. Mais c'est hyper drôle. Aussi, nous, tu as un peu il est sur Twitch. Il est sur YouTube. J'ai fait un short. Genre, le mec, il est vraiment pas sympa. Le clip est partout. Et tant que je rigole, ça va. J'aurais dû mettre le lien du clip. Ah, pénible. Il y a un clip de quand t'es tué tout seul l'autre fois. Ah ouais, c'est possible ça. Non, merci. Il me défend quand même. N'hésitez pas à prendre des clips. T'as changé la toux? Non. T'es passé en rouge. Tu déconnes ou quoi? T'as trouvé des pieux en bois, alors j'ai pris des gouttes de sang. Ça, c'est pas cool par contre. Hein. Ah, t'es malin avec tous tes jeunes. Bon, t'es malin. Attention, hein. Attention quand même. Il y a un t-shirt dispo, des mugs avec ma tête dépilée. Je croyais pas mes yeux. En plus, l'écran, tu sais, ça fait pas genre une animation. Ça met une image figée. Revenir au menu principal. Ah. Je crois que je suis mort. C'est un peu rude. Il n'y a pas de bravo pour votre épopée, non rien. Je me suis senti ridicule. Faut pas dire ça. Hein. Ah oui, ça épure les jaunes, mais il dégage. Et coucou Serval, comment salut ça va? Et bienvenue. Et bienvenue, oui.
C'est la première fois que tu parles dans le chat. Alors. Bienvenue, bienvenue. Donc c'est le jaune, maintenant, le plus fort. Moins de se faire tuer par un ours que par son propre sort. Oui, mais c'était un hardcore, donc c'est mort définitive. Alors, moi, en hardcore, je suis pas mort. Il y avait marqué Lublinia a succombé, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Oh, en tout cas, c'était drôle. Mais non, c'est pas là que c'était important de savoir. Eh non. Oh là là, c'était nul. J'y suis pas là. Tu sais pas jouer. Alors, en même temps, on est à la Toulzone. Qu'est-ce que ça fait, ça? J'ai un carte du dessus du paquet. Oh, je vais faire ça. Passer un 2 par un 5, tu prends un 1. Dracula, c'est lui, et moi, je suis Vanessa. Oui, c'est la première fois, sinon ça va. Et vous? C'est qui, Dracula? Dracula, c'est moi. Et oui, ça va. Ça va, ça va. Non, mais là... Est-ce que tu es le Serval de Serval et Antares de chez Monde de Jeu? C'est bien le même Serval? Curieux, hein. Ah bon, je suis curieux, je traîne sur les... Ah non, c'est pas le même. Okay. Lorsque ça t'a défaussé, révélé une de vos cartes. Mmh. Je traîne sur les autres streams, bien évidemment, donc je vois les pseudos qui parlent. Je vois les gens à droite à gauche aussi. Mmh. Forcément, quand je reconnais des pseudos, je pose des questions. Si, c'est le stream des curieux, on le sait. Bon, j'ai perdu, là. En vrai, là, j'ai perdu. Mais non, t'as pas perdu, y a pas d'ours, ça va. Ouais. Ça va. Ça va, oh, hein. Tu vas me laisser tranquille avec mon ours. C'est moi, Dracula, c'est notre deuxième partie. On l'a découvert hier, le jeu. Enfin, on le connaissait, mais on n'avait jamais joué. Et on a été vraiment agréablement surpris du jeu. Vraiment cool. Tu veux voir? Est-ce que je pourrais te montrer, quoi? Bah, une carte où je suis sûr de gagner déjà. On s'en fout que tu gagnes, mais tu la vois déjà. Bah, tu la vois, celle-là. Ouais. Ça, tu prends me la piquer. Ah, toujours, mais est-ce que j'ai un intérêt à rejouer là? Parce que oui, quand même. C'est hyper dur de jouer Van Helsing, hein. Je sais pas si tu te rends compte. Mais... C'est hyper dur. Et hier, tu m'as mis la piquette. C'est hyper dur. Je pense que les deux, c'est dur. Il y a des ours. Ah non. Non, le jeu est pas facile. Hein. Clairement, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai une mode d'ours des autres chaînes? Je pense qu'avec ça de gagner 3 cartes sur 5, ça doit passer. Ah oh bah c'est sûr, il lui reste qu'un tour de toute façon. Après. C'est sûr que j'ai perdu. J'aimerais de dire ça. Mais la dernière main, je dois être tendu. Ah bon. On va. Je vais mettre les mythes de la lumière. Je pense que je vais jouer mon tour. De toute façon, ici on a perdu, donc on va mettre fin à la manche. La première, elle est pour moi. La deuxième, elle est pour toi. La troisième, elle est pour moi. La quatre, c'est pour moi. Et la dernière, elle est pour toi. Hein. Ah, ouais, génial. Oh, ouais, je suis à 3 sur 4 sur 2 zones. Ça va être facile, hein, cette dernière manche. Tu peux y arriver, Lublinia. Ah, tout le monde t'encourage. C'est gentil, mais... Est-ce que vous y croyez? Alors... Ah, c'est pas mal. C'est dur parce que les cartes les plus fortes en valeur ont les meilleurs pouvoirs. Donc le 1 par exemple, tu voudrais t'en défausser, mais le oui. 1 révèle tes cartes. Mais c'est bien fait. Aucun bien intérêt. Fait. Ah non, mais c'est pourri. T'as chopé un 1, c'est comme si t'avais chopé moins 12. Moins 12 en karma dans ta partie là. C'est surtout gagner 7 fois avec 5 cartes. Ça va être compliqué. Tout est possible. Tout est réalisable. Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Ah, c'est pas le dernier tour ? Ah non, ouais, non, c'est mort. C'est mort, j'avais pas compris ça. On est à la manche 4 sur 5. Le petit bateau l'indique en bas. Petit bateau ! À quoi ça sert de faire des jeux si on peut pas gagner avant ? Alors ? Matin, montre-moi ton jeu.
Montre-moi ton jeu. T'as vu une carte à moi? Non. Non, j'ai montré celle que tu pioches. Tu la gardes, je la verrai. Je saurai où elle va. Ah. Bah non. Moi, je vais l'enlever. Ni à tout le monde. Hop, je vais faire ça. Si facile que ça, hein. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Oh, c'est ça. Oula, ça stratégise. Je ne vois même pas pourquoi je m'embête à les défendre là. Ah, je veux pas celle-là. Non, je peux pas changer d'avis. Ah non, dans ce jeu, tu ne peux pas. Il n'y a pas de retry. Ah, au pire, c'est pas grave, je gagnerai. Non, non. Jamais. Je refuse que tu gagnes. Oh, c'est impensable. C'est incroyable. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Ça fait quoi ça? Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Bon, allez. C'est mort. C'est dead. On peut pas te dézoomer. Non. Non, non, non. Non, non, non. Je ne veux pas dézoomer. Non, non. Vas-y, regarde mon écran. Ah non, je regarde pas tes cartes. Je fais quoi, plaisir? Je regardais si on voyait tes cœurs et. Mais j'aurais pu regarder sur le screen. Je vois pas tes cartes qu'elle a dit. On voit pas les noms et on envoie tes cœurs. Elle se penche comme ça, vas-y. Non, je vais pas regarder. Hein. Bon, je vais pas regarder. Tu vois pas, c'est bien ça. Pour moi. Et j'ai pas de mémoire, donc. Tu triches. Alors. Et c'est quoi les mots-clés du Ludix? Pouvoir. Le pouvoir, c'est tout pouvoir, ce que je me rappelle. Pouvoir, collection. Non, mais sérieux, il a deux échanges. Il peut être le chef, là, ça m'énerve. Il peut être le chef de toutes les couleurs. Non, je pense que j'ai gagné. J'ai gagné au moral, je crois. C'est pas compliqué. Mais fou. Mais fou. On saturait le micro, je crois. Ah, pardon. Ne jamais rien lâcher. Mais ouais, non, c'est clair. Ne jamais rien lâcher. Il a raison, Serval. Allez, je fais ça. Il ou elle, d'ailleurs. Je dis tout le temps il, mais... Et j'échange. Par contre, je dis réel. Voilà. Ah, on fait moins de malin. Hein. Il. Ok. Ben ouais, ouais, c'est pas terrible ça pour moi. Au moins, je gagne. Ok. Je vais jouer ça. Moi, ce que t'as là. Montre-moi ta montre qui me montre que tu me montres bien l'œil. Contente, le bluff. Le bluff. À deux cartes sur trois cachées. Pas tente, le bluff. Merci. Bluff me, I'm famous. Ouais, il a forcément mis du jaune. Réfléchis fort. Van Helsing dans la panade. Dracula dans l'ombre s'apprête à le croquer. Oh, ça échange l'atout. Je sais que tu peux le refaire. Eh non, t'as échangé. Pas cool ça. Not cool. Not cool à toi là. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pour de vrai? J'aurais tout donné, hein. On pourrait être témoin. Ça draft le paquet. T'as les chocottes, hein? Allez, fou, Marty!
J'ai un peu peur. Peut-être un move qui servait à rien aussi. Ah non, c'est pas ça que j'avais compris comme sort. Bon, tant pis, c'est perdu. Va faire. Bon joué, ça paraît évident. Ah. Oh putain, ça déplace des cartes. Aïe aïe aïe, le bon jeu. C'est bien joué ça, je pense. Ouais, bien vu. Du coup, je gagne pas. Mais il reste un tour. Ouais, mais du coup, je gagne pas. Hein. C'est un tour, hein. je perds un masse point de vie, là. Masse. Eh, j'ai perdu quand même pas mal de points de vie. Ouais, hein. Mais là, je suis mal, quand même. Hein. Eh, tu faisais pas cette inversion, tu perdais la partie. Hein, là, potentiellement, tu gagnes. Hein. Bon, maintenant, il faut défendre 1-4-5. Ah, j'avais bien dit. Ah, elle va gagner, enfin, elle aime pas perdre. Alors, forcément. Hein. Donc, je donne tout. Ah, c'est pourri. Allez, on défend 1-4-5. Ma main est tellement mauvaise. Rejouer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on fait ça? Le jeu n'est pas facile du tout, hein. Il reste 4 points de vie. Tu peux le faire. Il y a 4 quartiers où tu peux croquer des gens. Tu peux le faire. Oh. Ça va être serré. Ça va être serré. Qui va gagner? Tu peux faire un pôle. Slash pôle. Je sais pas faire comme ça. Avec deux ailes. Ouais. Pour un menu, mais pour le menu. On voudrait savoir ce que cache. Ah non, c'est le dessus du paquet. J'ai confondu les icônes. Peut-être un mode modo. Alors. Je vais regarder ce que tu avais fait. Et bah, du coup, j'ai révélé la carte du dessus du paquet. Donc, je sais que tu as un 5 violet en carte side, là, mais c'est tout. Ouais, bah je vais la défausser. Et rejouer. Et rejouer. Point 5 sur 8, c'est fort, hein, en termes de valeur. Ouais. Ok, c'est violet, mais... Il doit avoir des sacrément bonnes cartes, du coup. Non, pas forcément. Ah, ça me propose de finir, là, mais bien sûr. Bien sûr, je pense que tout à fait... Oh bah oui, bien sûr. Ah bien sûr. Bah oui. Quoi. Va. Je sais quoi faire. Ouais, t'as la même chose, ça va rechanger, ça va rebouger. Moi j'ai 4 points de vie, donc faut au moins que j'assure sur 3 quartiers, quoi. Non, je suis pas bien. Tu dois être full jaune, hein, de toute façon, si tu fais ça, si tu fais le porting là-dessus. Sérieux?
Est-ce qu'il en reste encore un 7? Peut-être pas. Damn. Attends, on sort un quand même pour aller changer encore la couleur. On va plus le faire après ça. Pardon. Je sais pas quoi choisir comme couleur. Ah bah c'est embêtant. Comment c'est possible? Is possible. Là, quelqu'un qui compte les cartes, là il est capable de dire combien de jaunes sont passés, tout ça. Moi, c'est le mystère. Bah là, on sait que tous les 7 sont passés, ça c'est sûr. Bon, mais l'âme des cas. Ouais, moi j'ai pas de jaune donc. C'est vrai? Ah bah oui. Je comprends bien que si moi je veux jouer en bleu, c'est que je veux pas jouer en jaune, donc... Donc j'ai perdu. T'as perdu? Pour la deuxième fois. Bah à partir du moment où tu peux changer 3 fois de suite la couleur sur, quand t'as 3 cartes sur 5, moi il me fallait 3 cartes sur 5 pour pas perdre, donc c'était sûr. Et j'ai pas de jaune dans ma main, donc là c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Hein. J'ai eu 0 jaune de toute cette manche là. Ah donc oui. T'en as eu 4 dans la main sur les 8, quoi en fait. Et ouais, plus de la moitié, et l'autre doit être dans le paquet, j'imagine. Je pense, ouais. Mais effectivement, c'est plus dur de jouer Van Helsing, puisqu'on est sur 2 victoires de Van Helsing à 0. Je pense que c'est plus dur. Ça semble évident, non? Mais on peut pas choisir le roi là? Non, la prochaine fois. Change de sujet. Pour que je gagne un Dracula. Est-ce que tu peux mimer un nouveau geste de victoire pour lui plaît? C'est bon ça. Non, c'est distribution des rôles aléatoires. J'ai pas de. J'ai pas d'option. Aucune option, donc c'est aléatoire. Hein. GG, même s'il faut dire que Dracula n'est pas facile à jouer. Voilà, merci. Ah, merci. Enfin, quelqu'un d'honnête. À peu près objectif sur ce stream. Ah, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon. Est-ce qu'il y a du monde encore en board game sur Twitch? Sinon, on va pas tarder à s'arrêter. Alors, on va aller récupérer les enfants. Ouais, moi je dis ça, je pose à régler. En board game, il n'y avait que nous. Il n'y avait que nous en français. Mais il y a souvent que nous en français, c'est fou ça quand même. Et ouais. Dommage. Que la catégorie grossisse encore et toujours, qu'on ait plus de monde à les raider et qu'on puisse voir plus de jeux de société sur Twitch. Il en faut au moins. Claire. En tout cas, merci Serval d'être passé aujourd'hui. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles têtes et de discuter. Plus vous êtes nombreux à venir discuter, mieux c'est. Dans la journée, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais, c'est vrai. Et nous, on n'est pas trop des streamers du soir, même si on fait. Merci pour le coup. Merci. On fait quand même une soirée le jeudi soir. On fait board game night. Voilà, on essaie de jouer au maximum avec la communauté. Donc, si t'es par là le jeudi soir et que tu sais pas quoi faire, n'hésite pas à passer. Et après, on fait aussi le matin. Mais le matin, on est plus jeux vidéo. Ouais. Jeux vidéo le matin, jeux de société l'après-midi. Bon, on jouera pas à Diablo jeudi. Non, et on va passer sur Prime en attendant la saison 2 de Diablo. Donc, lui a décidé de mourir, mais voilà. Sénéret, il nous dit il doit faire 30 degrés chez vous, pourquoi ne pas faire l'école buissonnière? Bah parce que sinon il faut qu'on garde les enfants, donc à choisir, ils font bien à l'école. Tu sais, dans 15 jours, c'est les vacances, ça ira. Et nous, ça va être dur.
Il y aura au moins 3-4 jours de coupure pendant les vacances parce qu'on a des gens qui viennent à la maison. Voilà. On est obligé de faire du social. On va jouer en vrai quand même. Ouais. Du coup. On jouera en vrai. Ouais, faut voir. Ah bah si. Faut voir avec les gens qu'il y a. Faut voir. Mais oui, normalement on devrait jouer. Pas de photos. Pas de l'Instagram à la place. Faire des lives dans le jardin. Live trampoline. Ça vous intéresse? Je fais un live trampoline pendant 2 heures. Non, je pense que je meurs trampoline pendant 2 heures. En vrai. Le matin, élevage d'ours. Ça va rester ça, je pense. L'ours Blinia va rester. Je vais demander à Néo de faire un dessin. Non. Avec ton meeple. Je vais trouver un truc. Bon allez, trêve de bilebeuser. Tiens, j'ai placé bilebeuser. Du coup, faire un emote ours. Ouais, il faut que j'en fasse. Faut que j'en fasse d'autres, des emotes. Allez, je vous balance sur les... Je veux bien faire le live dans le jardin, moi, mais le fil est pas assez long. Queenie. Oh, on va réfléchir, il y a moyen de faire un truc. Allez, je vous mets sur l'écran de fin stream, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée. Toi, tu seras là demain soir. Je serai là demain soir pour du... Je sais pas quoi, mais je serai là demain soir, voilà. Soit du Disney, soit du Seven Deadly Sins, s'il y a des invoques à faire. Bon, il y a des trucs à faire. Je serai là demain soir. Pour un petit live d'une heure et demie. Et puis moi, je vous dis à jeudi matin. Du carrelage. Non, c'est peinture. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Ciao.